Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, go donjon, vous avez vu, on est plein. Pétu, elle est en train de faire du JDR. Ben nous, on va faire un donjon. N'hésitez pas si vous voulez participer. Point d'exclamation. Kukoro, c'est marqué tout en haut là-bas. D'ailleurs, on va placer la caméra comme il se doit. Un petit peu de professionnalisme, s'il vous plaît. Hop, n'hésitez pas si vous voulez participer. N'hésitez pas, point d'exclamation Kukoro et point d'exclamation Get Info. Regardez, les pros sont déjà lancés. Get Info pour avoir les infos sur votre personnage. Qui va. Oh putain, serveur. Serveur, l'exorciste, j'ai bien fait de ne pas prendre le nécromancer. Au nom de Zeus. Neve dans la place. On a JB. JB te met pas trop près de serveur parce que Nécromant. Guidi, il est venu en costard, pas de limite. Bon, que je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir faire Get Info et avoir les informations sur votre personnage qui sera plus ou moins fort selon le type d'ennemi. Il y a slime, squelette, zombie, cyclope et plein d'autres choses dont je me souviens plus. Selon que vous soyez fort ou pas contre l'ennemi qui va s'approcher ici. Vous allez faire hide pour vous cacher ou jump pour dire moi, 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 je lui tape sur la tronche. Et du coup, je vais vous faire jouer. Et après, ça va se lancer un combat un petit peu au tour par tour à la Pokémon où vous allez juste regarder ce qui se passe. Mais à la fin, vous pourrez gagner des XP, des skins, des trucs de uf. Alors, et après, soit alors on va vous devoir, est-ce qu'on joue classique comme ça entre nous ou est-ce qu'on fait je vous écoute parler que quand je vous mets au niveau de l'attaque. Non, on a le chat là, on va se faire plaisir entre nous. Pourquoi mettre un ange de la mort en soigneur? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Le contre-pied 2022, il n'y a plus de limite! Ceux qui veulent participer, point d'exclamation, Kukoro. Et après, on est bon. 7, ça va être. Ça va pas être facile, mais ça peut. Eh! Regardez. Je suis gentil. Bam! Je viendrai me sacrifier pour un des boss. Allez, des fois que. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Gettysburg, get info. C'est plus court aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vaincre un ennemi Minotaure rendra les capacités d'un coéquipier aléatoire super efficaces et dégâts x3 à ennemi Minotaure qui a tué un coéquipier. Ok. Je suis pas censé me sacrifier, mais on le fera quand même. On n'est pas là pour me préserver. Attention, si vous voulez participer, vous avez encore 10, 5 secondes, 5-10 secondes, allez, juste le temps que je clique sur... ben, le temps que je lance le jeu. Parce que là, on va commencer dans 5, 4, 3, 2, 0, point d'exclamation Kukoro, une fois, deux fois, trois fois, Julie, elle est déjà lancée, c'est magnifique. Allez. Voilà. Donc, nous avons un décérébré, je parle pas de moi, calmez-vous. Merci. Un zombie, qui est bon contre les zombies? Voilà, je vois ceci dit. Il y a Neve, il est bon contre les zombies. Allez, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu nous dis de beau? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es fort contre les zombies? Ok. Ça me va. C'est parti. Défonce-le. D'accord, monsieur Neve. Ok. Minotaure. Bon, moi, le Minotaure, je suis plus fort quand il a assassiné quelqu'un. Mais, si je dis pas de bêtises, si je tue un Minotaure. Ah, non, serveur, il est chaud comme la braise. Le power. Oh, bah, j'étais lancé direct. Oh, 80. Oh, mais d'accord, mais vous êtes beaucoup trop fort en fait. Vous êtes beaucoup trop fort, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Un décérébré, quelqu'un qui veut s'y coller. Pas beaucoup de variété sur ce monstre-là. nice, ok. Ah ouais, d'accord. J'ai bien fait. on y retourne avec Neve ou Luna? Qu'est-ce qu'il nous dit, Lunas de beau? Écoutons Lunas un petit peu. Oh, et puis non, il m'a stack kill hier. Merci Lunas. Bon, je vais regarder là. 0,5 ennemis zombies dégâts sur vous quand vous avez plus de 50. Esquive les contre Minotaur augmente la vitesse de votre équipe. Oh, ça aurait été bien de te mettre contre le Minotaur là. Non mais attends, hop là. Bon, go, attention. Bon, on va te tenter. T'avais l'air chaud. Ah mais tu aurais des DL pour de vrai Rocket League, ok. On t'a donné envie avec Lucas. Hein.
Combat un petit peu long, mais d'un côté il se bat avec une canne. Ouh, premier, le mid-boss. Est-ce que quelqu'un est fort contre les cyclopes? C'est parti des très bons jeux gratuits, hein. Soigne le double des dégâts subis de l'ennemi cyclope et un coéquipier aléatoire. C'est bonheur, ça. Hop là. Le nécromant. Dit-il la vérité? Je ne sais pas. Hop. Ça va peut-être healer... Ouais, mais ça va peut-être healer Lunas. Est-ce qu'on veut vraiment healer Lunas? Bon, tant pis. Oh, ah ouais, par contre, non. Esquive! Esquive, JB! Et le heal, il est parti en partie sur Kitty et Neve. Nous sommes réunis aujourd'hui. Ouais, Julie, elle est partie, elle a rien à foutre, pas le temps de célébrer, elle va se battre. Il cogne le mid-boss. On doit être plus haut level qu'avant, non? Vous avez joué entre-temps chez Sin. Hein. Merci à JB de m'avoir un peu soigné. Change d'esquiver les attaques des ennemis cyclopes quand votre santé est au max. Annule les possibilités de critique de zombies. Ok. Ils ont changé un petit peu le jeu parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plus de spécialité, il y a toujours double spécialité. Ah, voilà, ça c'était les chances d'esquiver de Julie. Ils sont partis en poussière. Ah, Kitty elle est ready comme jamais. Bienvenue à Julie, au pays des morts. Me suis trompé. Et non, lui, je le veux pas. Lunas, oui, tu veux mourir? Je suis pas censé heal, ben dis-moi tout. Si c'est avec des herbes bizarres... Yes! Allez, ben go! Go! Il se bat avec une canne, mais... Je suis heal, mais je sais plus faire. Ok. Après, c'est selon... Tu peux faire get info. Je t'en connais gros. Je suis très accueillant. J'avoue, une unité de plus. Faut juste faire gaffe à serveur. Il va peut-être mal le prendre, mais sinon, on est bon. Taibaka, soignez vos coéquipiers pour ennemi ombre. Ok. Bim dans tes yeux, le cyclope. J'avoue, la petite canne, là, très bien vue. Minotaur. Alors, attends, moi, je crois que c'est moi, Minotaur. Tant pis si je me sacrifie. Si j'esquive, je booste la vitesse de mes amis. Non. Ouais. Ah, oh. Oh, ouh, le crit. Ouh, l'esquive. Déconne pas. Ouais. Kitty nous a mis des émotes et tout, elle vous a calmé. Je savais pas qu'on pouvait faire des émotes. T'y vas, non, t'y vas pas. Oui, t'y vas pas. D'ailleurs, comment j'ai parlé, moi? Ah, mais oui, parce que vous avez fait get info, du coup, ça m'a fait parler. Ok. Quelqu'un qui est bon contre les ombres, je crois que c'est Kitty, du coup, non? Non, c'est Taibaka. C'est Taibaka qui va nous healer un petit peu. Soignez vos coéquipiers pour ennemi ombre dégâts subis. La traduction pas du tout faite avec les fesses. Soignez coéquipiers pour dégâts doubles subis. 6 quarts de dégâts ombre. Oulala. Non, Taibaka fait des esquives? Non, ouais, non, c'est pas une esquive. Non, quand tu mets la tête en avant, c'est pas une esquive. Ok. Elle a healé moitié dégâts subis de double de reçu de ombre. Ça fait très plaisir. Et elle est morte. Ok. Allez, Lunas. Coup de tête balayette. Ah oui, c'est ombre pas fou. Elle t'a mis un petit coup dans les lampions, le dernier coup. Névé pour les zombies, je crois. Esquive, crit contre les zombies. Mais c'est beau, ça, c'est beau. Allez, défonce-le. Oh là 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 là, heureusement que j'ai... Regardez-moi cette unité de qualité. Je suis un peu dégoûté que le boss final soit pas un zombie, quand même. Parce que là, les amis, il s'agirait de mourir. Alors, est-ce que moi, je peux temporiser un petit peu? Dégâts x 3, ça c'est Minotaur. Elle a scié ma canne, ouais, je trouve aussi. On n'arrivera peut-être pas à le tuer, je vais m'y sacrifier. Alors si vous plissez les yeux comme ça, si vous regardez bien, au niveau de la joue, il est mal rasé. J'ai pas pu faire mieux. Ok. Serveur, il est chaud comme jamais. Voilà. Il est chat comme jamais.
Ben go. Creed, vous mourrez contre un ennemi minotaure. Si, Cucocro. Sin, elle a commencé la soirée avec Juliette. C'est Cucocro. Si tu fais. Tu sais, si Kanye, tu fais Get Info. Et tu fais l'attaque plus, la plus forte. Je me sacrifie pour la cause. Et ça, c'est beau. Kitty, elle est chaude comme jamais. Que cette journée reste à jamais celle où vous avez failli tuer le Alpha Cyclope. C'est ça. Kitty, il est un peu pixelisé ce jeu où j'ai perdu une vision. Mais non, c'est de la Full HD 4K pourtant. Normalement, ils vont le faire en VR tellement il est défini. Comment t'es? Ok. Au moins, ça heal. Vas-y, ouais. Heal moi. Vas-y, ouais. Kitty esquive. Une petite esquive. Une petite tombe pour Kitty. Bon, Neve, Lunas. Il y en a un, vous le prenez en tenaille et vous le poussez dans le trou. Je vois que ça. Jet 27 info. T'aurais mis get avec le G, encore mieux la blague, là. 3 sur 10. Luna, si jump. Luna, si jump. Neve, ça a été un petit peu le héros de la soirée, là, parce qu'il a des fucking dégâts, mais... Visez exactement, faites comme moi, faites des gros dégâts. Ouais, le cri de Lunas. Des volontaires? Le baril? Non? Le coffre, c'est pas une mimique? Non? Bon, eh bien... C'est Julie qui m'a fait jump. Bien vu. Bien vu, Julie, bien joué. Allez, Neve. Allez, ouais, continue comme... Un autre petit crit, Allez, c'est beau. Esquive, une esquive, c'est bon, j'ai toujours eu confiance en Neve. Il n'y a qu'une seule personne à prendre l'aventure, c'est Neve. Hein. C'est trop beau. Regardez qui c'est qui était déjà en haut. Bon, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a acheté la version premium où vous faites dégâts x4. Mais bon, maintenant vous le savez. Est-ce qu'on se refait un donjon ou est-ce qu'on refait un autre jeu? Vous avez envie de vous faire mal? Encore? C'est Sin qui le dit. Et on était à ça de faire du Final Fantasy X. C'est presque Final Fantasy. Il est presque aussi beau que le 10. Donc n'hésitez pas, point d'exclamation, Cucoro. Voilà, si vous voulez participer. Il y a combien le jeu? Alors je crois que le jeu sur Steam, il a 3 ou 4 euros. Ça te permet d'avoir des skins et de petits... Oh, regardez, Hello Piscine. Hello Piscine. Oh là 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 là, 9 personnes! C'est magnifique, c'est exceptionnel. J'allais dire Luna s'il est parvenu, mais si. Il a ramené sa canne. Il fallait bien que tu te sacrifies pour la team. J'avoue, après au final, stratégiquement, on a gagné. Bravo à vous. C'est tout. Qu'est-ce que t'as comme capacité à la con, NV? 0,5 dégâts subis par n'importe quel boss si l'heure est impair. Ah ouais, il va falloir timer. Ok, je note. Attaque premier contre Cyclope et inflige des dégâts x5, mais ennemi ombre a une chance de vous tuer en un coup. Bon, s'il y a une ombre, on te fait pas attaquer les ombres, y'a pas de soucis. Point d'exclamation Cucoro si vous voulez participer. Après, on ira faire un truc un petit peu plus bourrin, j'ai envie de vous taper sur le visage. On est bon. Point d'exclamation Cucoro. Cucoro une fois. Cucoro deux fois. On a gagné à 7, on peut gagner à 9. Et c'est parti. J'ai achevé 3 mobs. C'est vrai que t'as fait une belle run. Mais tu es mort. Donc la star c'est Neverine, c'est tout. Alors j'ai quoi? Mourir contre un ennemi gobelin tue aussi l'ennemi. Ok. Dégâts x2 contre un ennemi gobelin quand l'heure est père. Ok. Qui veut des ombres? Alors, JB il a quoi? Plus 2 niveaux après avoir vaincu n'importe quel boss. Ok, donc le last hit du boss, c'est pour JB. Esquive toujours la première attaque de n'importe quel boss. Ah bah oui, non, le JB, il a un perso un petit peu assassin, tu sais. Il se présente face au boss mourant et... Pah! Oui. Ok. Il y a que des hides, il y a pas des jumps. Ça, je suis pas très fier de vous, déjà, de base. Ah, l'homme à la canne. Dégâts x2 contre n'importe quel boss après avoir infligé dégâts impairs. Votre niveau s'égalise avec l'ennemi n'importe quel boss. L'ennemi n'importe quel. Putain, la traduction.
J'aime plus, Taibaka, elle a une version du jeu, c'est le Kukoro bourré, bizarrement. C'est ça. J'ai plus le dégât ennemi égal 6 fois 2 de leur impair. C'est l'hymne de nos campagnes. Allez, c'est parti. Lunas, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Pas littéralement, parce que si t'es ventre, c'est pas... Le Kukoro russe, c'est ça. Faire dégâts x 2 si leur impair. Oh, il y a des gobelins. Des gobelins, il y avait du monde, là. Qui c'est qui en voulait? De nos rivières, là, elle est debout sur la chaise, là. Je connais. Et là, le sarouel, le soir, wouh. Des coups. Au lieu de raconter des conneries. vous avez un gobelin, les gens. N'hésitez pas, un gobelin. Il y avait des gens qui étaient pas si fous, qui étaient pas de mal pour les gobelins, là. Tac, tac, tac. Dégâts x2 sur les boss, des minotaures. De la vie main, du monde animal. Cri de... Non, je connais en plus, faut que je... Non, faut pas. Si tu es né dans la rien. J'ai créé des monstres. Non, bah alors, bah tu sais quoi, Lunas, tu vas aller te battre direct. Non, je rigole, je vais pas le sacrifier. Bon, on va chanter ça, quand même. Alors, attends. Mourir contre un gobelin, tue aussi l'ennemi. Dégâts x2 contre un gobelin, 4 leurs et perd. Ah, oh, mais attends. Alors, le problème, c'est que là, c'est 16. On va attendre un petit... Discutons, chantons. Crie-le bien fort, Rusté. Allez, voilà, allez. On fait un stream karaoké. Hop, le temps que ça passe, ça va être 17. Ça va être 17. Ça va être 17. Et après, à 18, je me lance le combat. Parce que moi, je suis obligé. Hop là. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas métal? L'hymne de nos campagnes, métal. Il y a tout en métal. Metal cover. Ok. Péter la gueule d'un coup. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. Hello, petit serveur, comment va? Au fond de tes yeux d'air, tu sais quoi que tu vas faire. Allez, go. Faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, troquer cette fimose. Ouais. C'est pas le Hellfest. Si, un peu quand même. S'il n'est bien plus utile, là, esquive, vous fuirez toujours en combat si vous recevez un coup critique. C'est pas fou, détends-toi. Oh là, regardez-moi, l'hymne de nos campagnes, et elle tue tout le monde à coups de fleurs. Non, tu retournes, la patate. Voilà. Regardez-moi Hello Kitty, là, après un coup critique, poup, voilà, non, je suis venu faire juste un petit peu la fête des fleurs. Non, mais oh, va te cacher maintenant. Hello Kitty, elle a envie, on est bon. Je veux des tueurs de cyclopes, s'il vous plaît. Des tueurs de cyclopes, s'il vous plaît. Oh, nous avons des exorcistes de cyclopes. Ta mère, c'est des nonneuils en enfer. C'est censé le tuer. Je t'ai fait confiance, moi. Esquive! Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, ce serveur. À nous mettre la pression comme ça jusqu'au bout. Le petit triple axel, l'esquive, coup de chapeau. Bon, est-ce que je te refais battre directement l'ombre puisque t'es si fort et que tu fais le mal? Non, d'accord. Qui c'est qui est fort contre les ombres? Nous, on écoute du Kyo. Alors, moi, je vais faire Kyo, mais version techno, du coup. Tu peux mettre Diggy Diggy Hole de Wine... Ah, bah oui. Oui, mais tout le monde connaît. Tout le monde connaît la scène, elle va chanter, en plus, tu vois. Wine Rose. T'as même pas besoin de choisir la musique, il y a que celle-là qui est connue de eux. Les autres, après, les gens, ils connaissent pas. Par contre, elle va pas se lancer... Ouais, elle va pas... Si, elle va se lancer au début, parce que je l'avais déjà écouté, donc... Wouah. Boum. Allez. Est-ce qu'il y a moyen de le baisser juste un petit peu? Voilà. Ah oui, fan-made, le français. C'est le français de... De x2, le dégât, heure impair. Qui bute les ombres, hein?
Je peux faire Kyo, mais bon, il est mieux celui le tien, en vrai. Même si moi je suis un fervent, défenseur du groupe Kyo, parce qu'en live ils sont trucs. Merci. Personne pour les ombres? Personne pour les ombres. Après on s'écoutera un petit peu de rock pagan, hein, comme ça, ouh, on invoquera les démons. Ah bah Taibaka, là Taibaka, il y a du Winrose, elle se bat. Tu sais quoi? Je te fais confiance. Cash. 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 Et elle est tombée. Elle s'est fait dépecer. Vas-y, j'y vais. Lastique-moi cette ombrinette. Gâche ta saleté. Obscur Cerber, il faut que tu fasses le début de la partie parce que là elle est lancée. Le prochain tu pourras participer sans souci. Grand Minotaur. Oh. I am a dolphin and I'm a... Qui c'est qu'on envoie? Est-ce qu'il veut des gars critiques, n'importe quel boss augmentera les... dans n'importe quel boss, il est impair. Ok. C'est impair. Go. Heureusement que c'est impair. Attends, moi j'avais un truc sympa, je crois, non? Mourir contre un ami gobelin, tu es aussi d'un ami. Ah oui, non, c'est gobelin. Qui c'est qui veut la Stitaminator? Donc là, c'est 76 dégâts par tour, à peu près. Il l'a bien descendu, ah oui, mais par contre, il l'a bien. Et me faire bannir ma chaîne pour copyright. Et là, y'a Julie. Et là, y'a Julie. Boum! À quel moment Julie tanque mieux que celui qui devait recevoir des dégâts divisés par deux? Neve, il va falloir qu'on parle, tu sortiras ton carnet à la fin de la... Ouais, j'ai compris. Et bim, elle a le petit dab avec le bâton, là. Bon, ceci dit, on est neuf, hein. Presque une team de mangas. Le gars qui perd pas le nord, tu sais. Vote Julie. Ah, tu retournes encore une fois? Ah bon? Qui c'est qui est bon contre les Minotaurs là? Puisque c'est ça, on va écouter le mini Minotaur. Voilà. On tourne, on écoute pas les musiques en entier et on limite nos chances de se faire fumer les deux. Hop là. Je vous envoie un. Tant que vous ne choisissez pas qui c'est que... Voilà, je vous ramène en 2013. Ça fait pas strike, Rob. On en est plus à ce point, on en est plus. Et dire que lui il était devant PewDiePie avant. Ok, Lunas. J'ai pas de défense. Bon allez, j'ai compris, je me sacrifie. Je me sacrifie, vous m'avez saoulé. Il nous fallait du tartare pour tuer les Minotaurs, on le sait. On écoute la chanson qui nous donne. Bon, qui veut faire le lacite, bande de saligo. Stop singing songs about me. Et là, un petit peu de. Et vous savez quoi, un petit peu de métal païen. Un petit peu de rock païen. Alors, c'est quoi? Fiesta Pagana. Celle-là en live. En live, elle doit te mettre une ambiance. Attends. Voilà.
Parfait. En même temps, les capas de merde qu'on a eu. Non, mais je suis pas fier de vous. Votre Lunas encore. Là, vous voulez que Lunas meure. Et vous savez quoi, moi je suis d'accord pour vous satisfaire. Oh putain, non, je pensais qu'il ferait plus de dégâts que ça. Esquive, Lunas. Fais un petit flip flap. Imagine que tu es une voiture de Rocket League. Non, c'est bon. Là, imaginez-vous, là, l'ambiance elle monte un petit peu. Et de plus en plus rapide. Re-Minotaur, bordel. Je peux pas me sacrifier à tous les Minotaurs. Je suis mort, ok. Vous voulez des capacités, mettez-moi sur le prochain Cyclope. Pas sûr qu'il y en ait. Cyclope, Cyclope... Est-ce qu'elle connaissait ça, Taibaka? C'est quand même au même niveau que Diggy Diggyol. Bon, ça n'a pas commencé à chanter, mais quand même. Bon, si, n'en dit rien. Kitty? Vous fuirez toujours le combat? Ben oui, c'est vrai! Ah non, mais comme son Bob là. Un Gobinos. On est bon que contre les cyclopes, oui. Et oh! Plouf, plouf, ce sera toi qui va te faire manger comme un caca au bout de 3, 1, 2, 3. Votre Lunas, bats-toi. Moi j'aime bien. Je vais refaire tout s'il n'y a pas de courage, attention. On va baisser un petit peu, on va changer. On va prendre celle-là. Tu veux bien le titre? Et puis quoi? Si oui, au final je peux, oui. Hop. Mais là on est sur du Frog Leap Studio qu'on ira voir à Toulouse avec Sin sans doute. Qui c'est que... Ah, serveur, regardez-moi cet exorciste de qualité. Bah go. Esquive, serveur, tu nous as habitué à esquiver. Mets-lui des coups de fleurs, mets-lui des fleurs dans les yeux. Attaque avec des épines. Oh là 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 là. Encore un mine, putain, minotaure zombie. Bon. Ah, Lunas. Ah non, on a JB qui... Ah, on a JB qui est chaud comme la braise. Il va lui défoncer le nez. Non, oui, vas-y, esquive. Allez, vas-y, gauche-droite. Je suis très perplexe quant à nos... chance de gagner. Allons mourir, c'est un petit peu l'idée de ce... C'est comme ça qu'il s'appelle le donjon. Le donjon du bas crevé. Oh. On va perdre, alors je suis pas d'accord. Julie, elle va sortir son attaque spéciale. Qui est... Le... Ne meurs pas STP. Allez, c'est le moment. Ouais, ok, on est trois. Alpha. Ah mais c'est un gobelin. C'est pas un zombie. Le donjon sans nom, ouais. Donc Sin est le tabasse du gobelin, je crois, non? Où qu'elle est Sin? Get in front. Alors... Et bien, où qu'elle est la dame? Sin, un petit gâtine faux pour m'aider. C'est dangereux ça, non, ouais, mais ça c'est à cause de toutes les plaques de sang que... Alors, est-ce qu'il veut vous fuir un combat si vous avez un coup critique d'un gobelin? Dégâts fois 5, c'est un gobelin de niveau inférieur. Ouais, mais regarde, il est de niveau inférieur. On va temporiser. Tu vas esquiver, tu pars au moindre critique de toute façon. C'est mal barré, oh.
qui c'est qui est susceptible de faire le plus gros dégât d'un coup? Parce que là, on aura une attaque de Julie, max 2. Une attaque de Sin, max 2. Jonas, il y croit, ok. Moi, je suis perplexe. Non, moi, j'ai confiance, j'ai confiance. Yes! Ouais, ok, c'est... Ah! Ah, bah, il peut participer deux fois, maintenant, parce qu'il y a deux Lunas. C'est-à-dire qu'il y a la... le corps, donc... Non, il est mort, là, je crois. Hein. On va garder l'Opiti pour la fin. Je suis contractuel, hein, sur le tabasse. Ouais, oui. Est-ce qu'on fait une prédiction pour savoir si on va gagner ou pas? Je cache l'écran avec ma main, je veux pas voir ça. Voilà. Il est parti, je vous ai niqué. Pas fou. Pas fier de vous. Pas... Bof sur 20. Menu. Alors, quoi qu'on fait cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on a comme jeu un peu sympa? Essaye de t'isoler la nuit pour éviter de contaminer tes voisins. Je vois pas... Alors, là, d'habitude, on devrait faire l'inverse. Rester dans la zone de sécurité pour éviter de toucher par les pics. Ouais. 1, 2, 3 soleils. 2 ou 3 bottes. Ouais, mais j'avais confiance en vous. 1, 2, 3 soleils. Je vous fais confiance. Alors. Par contre, bon, là, ping-pong. Regardez-moi tous ces bottes. N'hésitez pas, point d'exclamation Kukuro. C'est très simple. C'est le jeu du 1, 2, 3 soleils. Vous avez jamais joué 1, 2, 3 soleils? Il suffit de dessiner des carrés au sol. On jette un caillou et on doit sauter une fois sur deux avec une corde à sauter. Après, si les rois battent le valet. Ou, non, 1, 2, 3 soleils, c'était très simple. Bienvenue le baron. Bienvenue. Non, le délai, alors c'est... Regardez Lunas, amateur qu'il est. Ce jeu, il ne tient pas compte du délai du stream. Puisque ça va s'écrire en premier dans le chat. Instant. Sans que vous ayez vraiment le délai. Eh oui. Tu me laisses passer, j'ai plein de perles à même. Tu me connais, je suis quelqu'un de très magnanime. Bien sûr que je vais te laisser passer. Donc n'hésitez pas à faire how to play, point d'exclamation how to play, si vous voulez savoir comment to play. Oui, c'est les traductions du jeu, c'est comme ça. En gros, je vais appuyer sur une touche qui va me faire fermer les yeux. Et ça va marquer go dans le chat. Donc là, vous devez mettre point d'exclamation go. Puis je vais relâcher la touche, ce qui va me faire rouvrir les yeux. Et instantanément dans le chat, ça va mettre stop. Et il faut appuyer sur point d'exclamation stop. Moi, une fois que j'ai les yeux ouverts, j'ai un sniper. Et je vais littéralement exploser vos petites têtes de linotte comme ça, pim, 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 avec un grand plaisir. Et oui, vous avez tout ce qu'il faut savoir en tête, point d'exclamation, Kukuro, si vous voulez jouer, et après je vous tire dessus, en commençant par Sin, bien entendu. Attention. Hop. Là, oui, vous pouvez bouger. Et attention, je vais relâcher F1 comme ceci. Et tous ceux qui tirent, là, tout... Voilà, là, bon, ça, c'est les bottes, parce qu'ils sont... Pas foufou les bottes. Miguel. Oh, Marcus. Ben. C'était si mignon. Là, tu te moques des gens. Là, 5 secondes de délai, tu ne veux pas jouer, tu veux juste te moquer des gens. Courez. Et j'ai relâché Viper. Oh Jocelyn. Oh le obscur Cerber. Oh il est pas passé loin, j'y vais non plus. Bah il se là. Et là comme je suis méchant, je referme les yeux. J'ai eu personne, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. On va dire que j'ai fermé les yeux. J'en ai vu un bouger. Oh Luna, s'il n'y est pas passé loin, Aiden, Diana, Kelly. Oh, on se calme.
Qui c'est là? Il y a Grace? Il y a Marc? Carlos et Jonah? Mais qu'est-ce que vous faites, les gens, vous ne voulez pas jouer? Je vous allais. Oh, Neve. Oh. Oh, Judith! Samuel, Marc. Marc, t'as bougé, mais si c'est pour faire ça, faut. Oh, jeter un œil, toi. Faut pas te tirer dessus. J'aurais bien aimé. Ah! Mais. Mouais. Un peu de triche, là. Je vais attendre parce qu'il y a. Qui c'est ça? Le baron, mais il est trop. Il est avec son bébé 8 et son petit douché. Il y en a toujours qui s'impatientent, là, qui se remettent à bouger. J'en connais les impatients. Hein. Ok. Allez, Neve, il a cru qu'il allait. Eh oh, les deux là. Carlos et Jonah, ils sont venus pour discuter. Non, Carlos et Jonah, ils sont venus pour discuter. Bon. Ah, JB, toi, t'as gagné, t'arrives en premier. Tu n'as même plus besoin de courir avec la plèbe, mais tu peux t'amuser. On va le retrouver dans une autre partie, déjà premier. Oh, ils sont arrivés, ces saligots. Ils se sont foutus de moi, là, j'ai trop. Oh, mais Jonah... Ah, il a eu une conversation qui lui a pas plu avec Carlos, là. Ça, je connais. Go. J'étais sûr de l'avoir, ce bot là-haut. Il reste que des bots là, ça va me saouler ça. Oh bah serveur, enfin voyons. Mon petit chemin. Bon par contre y'a que des bots, on va les laisser courir hein, parce que bon. Dylan, Carlos, s'il te plaît. Il reste Clara, il reste Johan, et Gianna et Grace. Pff, surtout qu'il y en a un peu, s'ils bougent pas jusqu'à la fin des fois des saligots. Clara, un petit effort, tu n'as jamais joué. Tu n'as pas vu Squid Game, Clara? Pff. Puis elles sont pas bougées. Bon. C'est jusqu'à la fin, je crois qu'ils vont même pas bouger, ces pignouf. Seulement 5 joueurs ont survécu. JB, Luna, Julie, Obscur Cerber et Bot Aaron. Il y a eu comme un petit moment de violence, j'ai trouvé aussi. Vous avez pas tué Luna, vous avez pas tué Julie, ça m'énerve. J'avoue, il y a comme... Je suis morte quand en fait? Je sais pas, moi, tu sais, Moi, c'est là où tu vois que je suis un streamer quand même vraiment de qualité. C'est que je fais fi des noms et je massacre. Je veux faire du mal, en fait. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le tireur d'élite, ça va faire rire qu'au moins. Le rituel, c'est moins. Ça, c'est du RP. Le seul viewers. Ah. Go loup-garou. Ah, ben, prochain, on fait loup-garou. Alors là, c'est très simple. On va tous jouer chacun pour sa peau. Yotina, bienvenue. N'hésitez pas pour l'exclamation Q-Koro. Quand je vais lancer la game, vous allez pouvoir faire... alors attention, c'est du QWERTY. Donc c'est W pour le haut, A pour la gauche, S pour le bas et D pour la droite. Vous allez pouvoir faire point d'exclamation WWWASSDAS machin pour faire en fait un chemin. Votre but, c'est d'arriver au milieu de l'écran. Ici, vous voyez pas ma souris, mais c'est en dessous de jouer streamer. Là. D'ailleurs, je vais cliquer dessus pour jouer un petit peu avec vous. Sauf que toutes ces dalles-là sont piégées, 99% des dalles sont piégées, certaines avec des pièges qui se remettent à chaque fois, d'autres avec des pièges qui seront momentanément désactivés. Hi Tina, welcome to the stream, I don't know if you are like, if you speak French or not, but hey, welcome. Du coup, il va falloir arriver le plus haut possible, enfin en tout cas le plus vite possible en haut. Vous pouvez y aller case par case, tranquillou, ou vous pouvez y aller vraiment, vous voyez, en faisant 3 fois W pour aller 3 fois vers le haut, et vous avez compris, vous êtes fort. 11 personnes, ça fait du monde pour un goose-goose, un coup, comment que ça, mais bon. Bref, du coup, point d'exclamation Q-Koro, une fois, point d'exclamation Q-Koro, deux fois,
Point d'exclamation. Kukoro. Pas trois fois. Je suis où? Déjà, Luna, c'est mort. Sachant que, en plus, les... Ok, ça c'est fait. Les pièges que vous allez activer vont, du coup, aller faire du mal directement aux gens de l'autre côté aussi. You're in the game tonight. You're in the bottom right corner. You can actually play. Ok, moi je continue comme ça. Ok, merci. Ok, merci. Oh, merci beaucoup. Ok, non. Ah oui, donc moi la totale. J'ai pris le boulet de. Le boulet de Taibaka. Mais c'est pas le boulet que a lancé Taibaka. Ah voilà, c'est pas. Il va à droite s'il te plaît. Non, il est où mon personnage. Il est où mon personnage. Ah bah il est mort. Bon. Il y a trop de pièges, ça m'énerve. 1. 2. Et là vous voyez quand c'est gris, vous pouvez repartir vite. Donc là il y a presque un chemin devant Obscur Cerber. Ok, moi je me suis fait insta-kill. Je suis très heureux. ERE. Là, je vais tuer la Pyros, je pense. Voilà. Je suis désolé, mais... Il y a un chemin, par contre, près de Kitty Shinigami, là, si vous voulez. Tac. 1, 2... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va tester comme ça. Je monte. Faut pas que les trucs devant chez Kitty se réactivent au moment où je passe. Jusque-là, on est... Oh, serveur, il est beaucoup trop fort. Regardez-le. Regardez, moi, les deux trucs se sont activés au moment où je suis passé. Cerber, il lui reste qu'une seule... Cerber, il est pas assez vite. Pourquoi? Qu'est-ce que tu nous as fait, Cerber? Tu avais gagné. Il s'est fait faucher par Cerber. Pas très gentil avec moi, mais... les modos, si jamais vous pouvez ban les gens qui spamment trop dans le chat. Hein. Moi, ça me saoule, hein, les spammers. Hein. Ok, Lunas, il nous a fait un petit chemin qui sent la noisette, bien entendu. Ouf! Ouf! Et là, pas de piège. Pas de piège. Pas de piège. Ça va le faire, ça va le faire. Ban. Vous avez la loutre du ban qui... Non, Lunas, fais pas ça. Fais pas ça, Lunas, fais pas ça. Fais pas ça, Lunas. Fais pas ça, Lunas. Il s'est arrêté. Il m'a buté! Il réapparaît devant. Mais quel chacal! Mais le chacal! Ok, ok, Lunas. Lunas, il m'a ouvert le champ libre. Ok, on est bon. Allez, allez! La Pyros, mais c'est quoi cette mentalité de pas me laisser gagner? Pourquoi vous venez sur le live pour pas me laisser gagner? Mais vous avez rien compris au jeu? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais... Pff, bravo. Non, je serai beau joueur. Bannir pour spam. S'il vous plaît. Parce qu'il a spammé des lettres dans le chat, on peut pas discuter quand il fait ça en fait. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai, c'est vrai. Et je vous aime, alors je ne compte pas le nombre de victoires que vous allez faire. Moi, je vais faire... Je préfère le donjon. On va pouvoir se faire... On avait dit loup-garou. Des loups-garous ont été vus rôder dans le... Ah oui, loup-garou à plusieurs, ça va être rigolo. Alors. On va ajouter des bottes, peut-être. On va ajouter peut-être des bottes. On va voir. Kukuro, alors là c'est un loup-garou simplifié bien entendu. À savoir que la journée vous allez choisir de savoir où vous allez passer la nuit. Dans le village, dans la crypte ou dans la forêt. Sachant que la forêt, il peut pas y avoir le loup-garou si j'ai pas de conneries. Mais vous avez une chance de mourir quoi qu'il arrive seul dans la forêt. Il y a un truc comme ça je crois. On va refaire un how to play. Et tac, il va falloir qu'on se décide de... Bah déjà, si on voit qu'il y a eu que des morts dans la forêt, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la crypte, ils sont safe. Donc les loups-garous, autant qu'ils se... Voilà. Voilà. Voilà.
Et voilà, laissez-moi seul, exactement. On est 9, n'hésitez pas à poser une exclamation Kukoro, pour ceux qui n'ont pas encore fait poser une exclamation Kukoro. Oh, regardez Hello Kitty qui est de retour, avec son petit blob. En fait, c'est quoi ? Et la maligne ? Moi aussi, je joue. Donc, on est assez. On est assez. En gros, essaye de survivre aux nuits, tu peux voir si tu es un loup ou avoir plus d'informations sur ce mini-jeu, sur ce lien. Ok. Base Hide, Forest, Plaza, Wild Wolf Attack, Where Wild Wolves Assault. Ok. Ah, donc on peut mourir aussi ça, là, au Plaza. Quiet Night, il n'y a pas eu de kill. Werewolf Attack, il y a eu. Ok. Voting System. How do you know you're a werewolf? Ah, vous savez même pas si vous êtes des loups vous-même! Sauf si vous avez acheté le jeu avec le Game ID. Ok. Alors attendez. On va faire comme ça. Je vais lancer la partie. Juste deux secondes. Ok, donc moi je sais ce que je suis. Et on est bon. Donc là, il va falloir se cacher dans un village. Où vous voulez. Vous avez 30 secondes pour savoir où vous allez vous cacher. Si vous restez sur la place ou sur le ou dans la forêt, vous avez une chance de mourir. Et oui. Moi je vais aller... Je vais aller tuer des gens dans le village. Alors, attends, Neverin a demandé le game ID. Mais du coup, je vais savoir si vous êtes... Ouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Nuit calme, non pas nuit calme, pas nuit calme du tout. Qui est mort? Ah, j'avais cru que c'était mort. Nous avons subi une attaque de loup-garou. C'est Lunas qui est mort. Non, c'est pas Lunas qui est mort. Je sais pas qui c'est qu'on a perdu, mince. Qui qu'on a perdu? Vous avez T1JB? Vous avez osé T1JB? Bon, moi, à choisir, en vrai, je vais voter Julie. Ah, Julie, sa défense a dit que c'est JB le loup-garou. Obscur Cerber est mort aussi. Oh, on a perdu deux personnes. Oh. Il y a zéro clémence. On est à 100% de kill. Est-ce que vous avez réussi à avoir votre game ID, du coup, ce qui est game ID? Vous avez pu savoir si vous étiez loup-garou ou pas? Julie, elle veut se pardonner. Ouh, 50-50. Je ne déciderai pas instantanément, j'ai fait mon vote. On est à kill. Pas possible, nous avons tué un innocent. Donc Taibaka et Lunas un petit peu plus ont l'air un petit peu plus coupables que les autres, d'accord. Ok. Prochain tour, si j'y suis, bah, je me mettrai, bien entendu. Mais du coup, bah, le fait que le streamer y soit, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, je peux ne jamais me faire voter, en fait. Ce qui est idiot. Serveur, Neve, Sin, ils savent pas où ils vont. Moi, je pense que le kill a eu lieu au village, j'étais à la crypte. C'est vrai. Sin n'a pas l'air de vouloir participer, elle est restée à la place. S'il n'y a pas de kill... Il y a un kill. Qui avons-nous perdu? Sin est toujours en vie. On a perdu Lunas et moi? Alors, Kitty.
Attendez, il y a eu des kills de l'autre côté aussi, là. C'était à la crypte aussi? Ok. Vous voulez voter qui? Tu sais qui c'est? Pourquoi il en resterait plus qu'un? Parce que Luna, ça en était un? Oh! Je vous laisse voter. Alors moi, je voterai. Moi, tu vois, je voterai. Moi, tu vois, je voterai Kitty, tu vois. Ah, tes derniers mots, la Pyros? Le Slixim, vous avez cap à me tuer. Ok, on en est là. La Pyros, c'est là si tu vois si t'as des amis ou pas. Hein. Ah ouais. Ok. Eh bien... La sentence est irrévocable. Hein. Je crois que je n'en ai plus. Mais c'est pas grave, parce que là où tu vas pouvoir te faire des amis. Comme les vers de terre, ou... les fossoyeurs. Les nécrophiles. Parce que tu es mort. Oh là 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 là, saleté! Bête à poil, va! Non, mais... Bon! Cachez-vous. Cachez-vous, les amis. Merci, Tobouk, pour le raid. Magnifique. Comment va? Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Vous étiez sur quoi? Bot Zakaria. Je suis sûr que c'est pas un vrai bot. Des fois, il y a des bots. C'est pas des reviewers. Lui, c'est pas un vrai bot. Tobouk ou Tovuk, je ne sais pas du tout. Désolé si je viens de fracasser ton... Sinon, reste encore sur la place. Kukoro justement, bah parfait, bah bienvenue. On était sur le même jeu, bienvenue aussi Dario. Et bienvenue Minipoon aussi. C'est trop mignon comme pseudo Minipoon. Nous les Minipoon, on a dû te la faire 12 millions de fois. Ok, ok. Yo Brian, comment va? Sinel a pas peur, non mais si. Donjon, c'est votre préféré? Ouais, on risque d'en refaire un là de toute façon. Merci pour le follow, Rayer. Non, c'était une blague, je savais pas qu'il fallait attendre 6 mois pour recharger. Ah d'accord. Oui, j'avoue, ça pique, c'est chiant. Sin est toujours en vie. Je vous laisse... Yo Pumps, merci pour le follow. Merci Bot Zakaria, bienvenue à tous. Je fais un raid à chacun de mes streams. Oui, c'est vrai que le pseudo me parlait. Merci beaucoup pour le follow, merci Monipoon, bienvenue à tous. C'est vrai que vous êtes déjà allé sur One Deadly Sin qui fait du Kukoro aussi. Si jamais vous ne connaissez pas, si vous aimez bien suivre des streams qui font du Kukoro francophone, parce qu'il n'y a pas tant que ça. Voilà. Oh. Du coup, pas besoin de lire le bot. Ouais, mais Bot Zakaria, c'est classe quand même. Surtout pour quelqu'un qui joue à Kukoro. Tu te fonds dans la masse. Je viens de jeter mon cure-dent. Quelque part. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour les follow. Merci Brian. Merci Dario. Bienvenue à tous. Neve, ces accusations sont-elles vraies? Tu veux nous en parler peut-être? Oui, je raid du Kukoro, s'il n'y a personne, c'est une chaîne que je follow. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais là, nous, on a failli bifurquer si Romangus ou Goose Goose Duck. À la place, on fait un Kukoro Garou, sur lequel nous allons apparemment avec un grand plaisir décapiter Nevevarine. Voilà. Le jeu qui te montre à quel point les gens t'aiment sur le chat ou pas. Il y a 100% de kills pour l'instant, Neve. De la rancœur peut-être, une petite pointe de jalousie. Je ne sais pas. Ah, il y a un forgive. C'est Brian, il est magnanime, il est gentil. Ou peut-être que c'est un loup-garou lui aussi. Full raid de donjon. En vrai, il faudra que je tente du coup un petit peu de faire un peu plus de donjon. On en a fait deux parties là tout à l'heure. J'aime bien les lianes. Là, pas les lianes, mais les haies. Oh là 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 là, la saleté. Il a encore le mode de Mangus, cette saleté. Poussez-le dans l'eau. Faut pas le tuer, faut le noyer pour qu'il souffre. Non? Bon, d'accord. Ouais, le jardin, moi, j'aime beaucoup. On est tellement en rogne et des Goose Goose Duck qu'on se... Ah oui, non, mais il n'y a pas de réflexion, là. Est-ce que vous le tuez? Oui. Non, mais c'est parce que... Oui, on le tue.
Attendez, mais il a peut-être un argument, on le tue. Ah d'accord. Ben d'accord. Bon. Bon, apparemment vous aimez les donjons. Moi je suis là pour vous faire plaisir. Raid de donjon. Allez go. Dalo il déteste ça. Et ben voilà. Alpha décérébré. J'allais dire un truc méchant sur un random streamer, tu vois, dire ah et bim on tombe sur Sardoche là d'un coup comme ça, mais c'est méchant, c'est pour rien. Pour rien comme ça. N'hésitez pas, point d'exclamation Kukoro. Oh, pomme c'est trunk. Oh, pomme c'est Tinas, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, Mini Boon c'est. Oh là 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 là, vous avez des trop belles skins. Je sais pas quoi dire. Vous êtes beaucoup trop beau. On est presque full pour du donjon. Point d'exclamation Kukoro. N'hésitez pas. Là, je vous fais confiance. Là, on a des pros, parce que là, on commence à le connaître, toi, vu que depuis le temps qu'on se connaît, on est presque frères, maintenant. Oui, nous, on est des pros du raid du donjon. Là, c'est victoire, là. Ah! Mais là, il part! Le bon timing, pas de soucis, merci beaucoup pour le raid. Des bisous, et à très bientôt, et j'essaierai de te rendre l'appareil, avec un grand plaisir. Je défonce des zombies. Ah, ça, c'est beau. On est 15. Peut-être un petit 16e. Pour arrondir, un 16e arrondissement. Bref, c'est quoi ma réputation? Ah non, mais moi on me dit la commune, t'as vu que c'est full victoire, je sais pas. Je vois pas mon pseudo, j'avoue que je ne le vois pas non plus. Si, tu es. Tac, juste si tu suis mon doigt, tu es une petite fille à couette. Dorénavant, c'est comme ça que je t'imaginerai. Annie de League of Legends avec des petites couettes. Comme ça. Voilà. Eh oui. On vient de gagner le niveau 21, on est arrivé au niveau 22. Je note. Stream 24 heures. Il faut que nous battions. C'est le niveau 22. C'est bon. Le manque de respect. Non, tu es une petite fille à couette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux une sucette? Non, je veux pas une sucette parce qu'après... Eh oh, allez, go. Parce qu'après, voilà. Ah, mais attendez, mais je sais où il est le 16e. Oui, c'est moi. Désolé, j'étais un petit peu en retard. Je suis le leader de ce stream. On va se battre? Non, je vais vous regarder mourir. Allez, c'est parti. D'abord. Hop là. Et c'est parti. Donjon niveau 14. Eh, vous saviez que 14, c'est plus fort que 22? J'ai fait un bac littéraire, je fais ce que je veux des chiffres. 14, c'est au-dessus de 22 aujourd'hui. Si on bat ce raid, on a fait mieux que Tobik. Voilà. Ok, on a tout le monde qui saute, on a Trunks, on a... Je suis désolé, je suis obligé. Je suis obligé, regardez cette skin de qualité, on a même le sushi qui saute. Dis-moi tout, Poms. Tu es du genre à défoncer les cyclopes? Moi, je suis quoi, d'ailleurs? Je suis... squelette. Trunks, c'est là où tu m'expliques pourquoi il faut que tu te battes. Attends, je vais voir ce que tu... Il peut pas m'esquive? Ok. 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 Ok, je vois. Pomps m'a volé la skin. Ah, ok, donc on est sur de la voleuse de skin, ou du voleur de skin, d'ailleurs. C'est presque beaucoup trop simple. C'est comme s'il avait fait ça toute sa vie, dans le présent, dans le passé, dans le futur. C'est aussi ça, Trunks. Hein. Voleur, c'est un voleur. Ok, je vois. Squelette, c'est pour moi. Comme ça, si je meurs en premier, c'est pas grave. Moi, je suis juste de la chair à canon. Je suis bien en chair et je suis plutôt canon, donc ça va. Ça va. Non, quand même, tu es quelqu'un, c'est il est à toi le stream, là. Tu es un squelette. Voilà. S'il te plaît, voilà. Fais pas le figure un petit peu. Qui c'est qui veut battre un mini Minotaur? Un petit ob... Oh. Une petite fille à couette? Oh, j'avais pas vu. Mais j'avais pas vu mon... un soldat avec une hallebarde et un petit chat. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, Brian? Renvoie les coups critiques des ennemis minotaures et soigne vos équipiers pour ennemis minotaures dégâts subis. La trad, elle est magnifique. Ok. À moi, le minotaure? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as de beau, toi? 50% de chance de tuer le Minotaure en un coup si vous avez 10 HP ou moins, mais donne moins un niveau quand vous mourrez contre un cyclope. Ouais, mais Brian, il a un chat. Je suis désolé. Brian a un chat. En plus, il va me heal, en fait. Ça, c'est très bien, Brian. Prends des dégâts. Fais-toi bousiller le visage. Voilà, c'est bien. Continue. Tant qu'avec ta tête.
petit peu de heal quand même. C'est pour qui le petit squelette? Ou alors que, à moins que j'aille me suicider dessus. On va voir. Oh, le baron! Le baron! L'homme sushi de Star Wars? Dis-nous tout. Emballer, c'est peser, c'est peut-être. C'est presque trop simple. C'est presque trop simple. JB non, pas de squelette. Mauvaise aventure avec les squelettes. Un peu pas mal. Tu le défonces? Je ne demande qu'à voir. Regardez ça, mais il n'y a pas... Il n'y a même plus de suspense. Même BB-8, il est blasé à côté. Je fais très bien BB-8, il fait comme ça quand il est blasé. Moi, j'ai une souris. Mini-Poon, t'as une souris. Dis-nous tout. T'es où? Où es-tu? Et est-ce que par hasard, tu serais forte contre les zombies? Non, c'est Julie qui met des coups de bâton contre les zombies? C'est mon zombie? Bon, alors, vous ne le savez pas, mais la chaîne appartient à Julie. Vous le savez. Donc, j'ai pas le choix. Manquer contre les zombies bloquera, absorbe 80% des... Attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais nous crier dessus. Esquiver les coups des minotes. Bah non, je vais lire là. Et toujours crit ennemi zombie quand tu es au-dessus de 50%. Ah oui, non, mais c'est son zombie. Excusez-la, elle va full crit. J'aurais dit full crit. Hein. C'est lui full crit, après. C'est fini pour le crit. C'est pas foufou les crits, hein, en fait, au final. D'accord. Je suis puni de sang et en plus... Ah oui, je vais réessayer de remettre les sons, parce que là, il y a... Je vais le relancer complètement. Ça, cet après-midi, je l'ai relancé 2-3 fois, ça n'a rien fait. Mais pour Kitty, pour Kitty de Shinigami, il y a eu le... Vous pourrez essayer. Faire du mal à Lunas physiquement. Oh, je suis bien. Je veux m'asseoir sur son visage. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Qui c'est qui veut se battre? On a Mini Poon et sa souris. Ah, on a Taibaka qui veut chanter l'hymne de nos campagnes quand même. Je sais pas qui. La Pyros, il veut pas se battre. Oh, regardez, il y a Kitty qui veut se battre contre Minotaur. Un ourson prend soin de son petit bidon. Jamais il n'oublie de manger. Meurs. Chiné. Oh nom de Dieu, elle nous a sorti le cri de l'enfer. Et merde. Elle a survécu. Bravo. Ouais. Petit lapin, cours vite te cacher dans le coin, sinon je vais te trouver et ta gorge vais. Il faudra un remix, mon petit Minotaur, d'accord, j'ai compris. Ah, le baron, on lui a volé sa skin, il veut défoncer la gueule à tout le monde. On a aussi, oh, on a Mini Poon. Mini Poon, ça fait 2 fois qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Ça mérite un combat de petite souris. Ah bah oui. Bah si, on essaie de faire participer un petit peu tout le monde, c'est normal. Mini Poon, je te fais confiance. Ah oui, elle a la force de Minsk dans. Je m'appelle Olaf et j'adore les câlins. Tu veux mourir, Kitty? Regardez, elle veut se battre contre le Minotaur. Elle a dit moi je peux. Plus tard. Qui c'est qui veut défoncer du grand Minotaur? Ah là c'est du boss de moitié de niveau. Ça commence à faire. J'ai rien dit. Mais ce courage de Poms. Ah, le premier jump, je suis désolé, là, moi, il m'a galvanisé. Après, on enverra le cerveau de combat. Poms, non, Poms, pas comme ça, non, tue-le. J'avais confiance, Poms. Trunks, reviens du futur pour nous sauver. J'arrête le stream, là. Je suis désolé, je ne peux pas continuer ce stream sometimes. On avait dit le cerveau de combat. C'est parti. J'ai confiance. J'ai confiance, Taibaka. Taibaka. Elle y est allée pieds nus avec une dose d'homéopathie comme ça, genre attention, tu vas mourir. Mais non. Qu'est-ce qu'on a? Taibaka, mais j'ai un avantage! Ah mais Dario, mais tu vas de ce pas! Mais crie-lui dessus au Minotaur!
Regarde, il a un flingue, bordel. C'est Ronald McDonald avec un flingue. Finish him. Bravo à Taibaka qui aura donné sa vie. Elle a vécu toute sa vie en héroïne. Et elle a trop pris, elle a fait une overdose. Qui veut tabasser l'exorciste contre un zombie. Je pense que là, au bout d'un moment, voilà, ça se tient. Hein. Bon, je serai arrivé sur ce donjon, mais dis pas ça, Neve. Tu es le cœur de ce donjon. Regarde ta skin. Zombie, dégâts, quand vous avez plus de zombies combattés, devient le même niveau que vous. Ok. Moins 7 niveaux. Donc en fait, tu fais ça sur le boss, et c'est, genre, c'est, ça devient... ça devient un légume. Un légume zombie. J'ai changé de skin, il va aimer. Ah, ça c'est... Moi j'adore les skins. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le... Ouais, mais on a la Pyros. La Pyros s'est pas battue encore. Regardez cette petite couette. On dirait Bot Zakaria. En moins bien, parce que Bot Zakaria, c'est... La petite fille à couette, quand même. On le sait. JB, qu'est-ce qu'il nous fait? Zombie et Cyclope. Absorbe 99% des dégâts de l'ennemi quand vos HP sont impairs. Ok. Je me planque jusqu'à la fin. D'accord, je note. Je soigne l'équipe! Oh, il soigne l'équipe. Pas terrible, je reste planqué. C'est une stratégie, je vois. Il soigne l'équipe. C'est dégâts, bordel. Mais tu es quel niveau, Brian? Brian, dis-nous tout. Brian, c'est pas possible. Brian, tu triches. Brian, t'es trop fort. Brian, tue-le quand même, s'il te plaît. Voilà. Non, mais c'était la strat de Brian. Du niveau 52. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Qui c'est qui veut du cyclope? Ah, d'accord, niveau 52. Non, mais je vois, je comprends. Là, la skin de petit chat, tout, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Neve, ton moment de briller. Kitty, elle est en mode Minotaur, moins un. Mais faut pas qu'elle meure contre le cyclope, donc on n'envoie pas Kitty contre le cyclope. Ah, là, JB! JB, il a dit qu'il se cachait, mais attends, il était fort, mais oui, attends. Manquer contre un ennemi zombie bloquera sa prochaine attaque. Absorbe 99% des dégâts du cyclope. J'ai peur qu'on y perde notre JB national là, contre le cyclope. Mais moi j'ai confiance. J'ai confiance. Vous avez confiance? Pas gagné. Est-ce que vous connaissez la saga MP3 Reflet d'acide, les gens? Non du tout. Ah. Est-ce que tu veux te battre? Alors, si tu fais hide, j'envoie un lapin. J'envoie un lapiros. Tu veux pas voir mourir, papa? Heureusement qu'il n'y a pas petit sur le... Vas-y. Tant pis. Bon, je... Ok, il y a quelque chose. Prends qu'un dégât, voilà, c'est bien. Oh, le skivre. Ok, un dégât. C'est jouable. Mais bien sûr que c'est... J'y ai cru du début à la fin. Bien sûr que j'y ai cru. Donc on disait... Est-ce que vous connaissez RDA? Imparable, mais exceptionnel. Exceptionnel. Du coup, le baron, il secoue le sushi comme jamais. Tu serais mort, j'aurais pas mis le point d'exclamation. Là, t'as tué quand même... t'as tué un cyclope, ça mérite un peu plus. Ah, un petit sushi. Petit sushi qu'à froid. D'accord. Alors, on m'a envoyé Never, regarde, il veut se battre. Non, d'accord, ok. Ah, Kitty? Non, qui de... J'avoue, faut que je finisse la série. Oh, alors, tu l'appelles papa, comme ça, genre en mode... attention, c'est chaud. Et t'as pas vu la série, là. T'as pas écouté la série. Qu'est-ce que... Ok pour sacrifice, Brian. Brian, pas toi, t'es le meilleur d'entre nous. D'accord, ok. Je crie, te laisse-moi y aller. Ah, ok. Mais t'es où? Saute. Ah, il est ici. Je suis désolé, mais... Par contre, avant que j'envoie Brian au combat, il va falloir que quelqu'un s'occupe du chat. Vous vous mettez d'accord, quelqu'un faut que quelqu'un récupère le chat. Je peux pas. Premier match de Rocket League, c'est moi qui marque le seul but. C'est beau, ça, Lunas. Non mais Dario il est au même niveau que Brian, il y a quelque chose, regardez. Bon, il se bat avec un flingue, c'est la seule personne, il vient jouer à Donjons et Dragons, il apporte une sulfateuse. Voilà. D'ailleurs, Sir JBX, bientôt un nouvel épisode.
C'est le double tranchant de faire de la pub pour la saga MP3. C'est que tu sais qu'il va y avoir la question. La naissance d'une star. Je pense que Lunas, tu as tout ce qu'il faut pour briller sur Rocket League. C'est normal, c'est Henrik. Ah d'accord, je vois, d'accord. C'est vrai, Ronald McDonald, des burgers et des flingues, c'est la base. C'est un artificier, oui, tout à fait. Tout à fouet. Tu vois que tu es trop fort. Ça cache quelque chose si je lui dis. Patience est mère de réussite. Eh bien, félicitations à Patience. C'est chelou comme nom d'appeler sa fille réussite, mais pourquoi pas. Aminota ? T'as compris ? Compris. Je... Personne sait... Ah, je prends le chat. Qui dit prend le chat ? Bon, ça va. Ça va. C'est validé. Bon, merci. Merci. Je suis... La blague, Santa. Bon, mais tout à fait. Ah, toi, tu... Ok. Voilà, on est gentil et tout de suite. Mais oui, ça ne te ressemble pas, Julie. Comment t'es ? Ah ouais, non, mais là, tu voulais... Bordel de merde, 325 dégâts. Faut surtout pas l'emmerder, Kitty. IRL, tu crois qu'elle va te donner un coup de sac, mais dans le sac, il y a un parpaing, mon gars. Tu veux que tu vas faire avec ton tout petit sac? Ah merde. Ah putain. Mais je termine autant, quand même. Ah ouais. Ah d'accord. Yo Pandora Reina, comment on va? Mini Poon, allez. C'est exceptionnel. Dis-le tout. Niveau 20. Ok. Esquive 90% des coups des ennemis squelettes. Vous avez 10 HP. Dévie 150% des dégâts subis. Ah ouais. Je crois que je tiens de ma maman. Ma maman, elle a arraché les yeux des gens. Mais dans quel jeu? Non, IRL. Je te fais confiance. Caput et toi, ça va. C'est une petite période de vie. Mais ça va, là on s'amuse bien, on s'éclate entre amis, ça va. Mini Poon, pas toi! J'y ai toujours cru. Mini Poon, elle est comme. Enfin, il ou elle est comme ça, je sais pas. Je pars du principe que y aller comme ça, voilà, on est en 2022. Le torse bien en avant comme ça, vas-y, tape! On s'en fout! Ça manque de cyclope dans le coin, j'avoue qu'il y en a pas eu tant que ça, il y en a eu deux. On a ouvert sur un cyclope, puis c'est fini. Oui, la pyros, je confirme. Qu'est-ce qu'il a dit, la pyros? Ah oui, ça manque de... Ouais, ok. Moi, si vous voulez... Toujours pas Pélican? Non. Hier, on a joué un petit peu, mais... J'ai été tueur, mais Pélican, j'ai pas droit. Otakaria, qui, je rappelle, IRL, est une petite fille. Le roi Couette, exactement. Est-ce que tu connais la web-série Noob, du coup? Parce que c'est moi, le roi Couette. Il m'a piqué mon rôle. Oh merde, longue vie au roi. Il n'y a qu'un roi Couette, et c'est moi. Enfin, je veux dire, oh non. C'est l'histoire de deux cyclopes très proches qui portent une paire de lunettes. Tu le finis? N'en dis pas plus. Ouais, il n'y a pas le point d'exclamation Noob, c'est vrai. Est-ce que vous connaissez du coup les nouveaux venus, là, ceux du raid, la web-série Noob? Attention, normalement... Tu sais, le baron, on a fait toutes sortes d'aventures ensemble, je pense qu'on a tout fait. J'ai toujours eu confiance en toi. Je te donnerai ma vie. Je récupère Baby Beat, il meurt. Non mais c'était évidemment une boutade parce que je savais qu'il allait pas mourir. Bon là, le décérébré, qui n'en veut? On peut faire la commande des noobs, oui. Et merde, Jerry, ah non mais je valide la blague, je la connaissais pas en plus, celle-là, donc... Julie ou serveur? Julie, c'est serveur, Julie, c'est... Voilà, hein. Coalition! Destruction. Zombification. T'as un zombie? Ouais. Jusque-là, je suis d'accord. Serveur, ce que tu veux. Ce sera serveur puis Julie? D'accord. Serveur d'abord. Courage, fuyons. Les ennemis de l'Empire. Il n'y en a pas ici, d'accord? Ils doivent périr. Non, Julie? Doivent mourir, oui, doivent périr. Coalition saucisson. J'avoue, ça me donnerait envie de... Du coup, je rejoindrai la... Ah ouais. Coalition saucisson, bim, je signe chez Gaïa. Petit serveur, alors. Julie?
Mais non, ça va, on va baisser son niveau. Ah, mais oui, c'est vrai. Révolte, pourquoi Brian, tu veux défoncer tout le monde? Qu'est-ce qui se passe, Brian? Tu veux. Et juste pour moi. Ah, mais t'es sûr? C'est nul, ça. Je croyais que ça lui baissait le niveau et puis c'était définitif. Deviennent du même niveau que vous. Ouais, mais je pense que c'est définitif, non? Ouais. Moi, j'ai confiance. Mais lui, t'as eu une dame. T'as le pouvoir du Christ avec toi. Moins 21 niveaux. Oh, mais ça va être beaucoup trop simple pour toi. Moins 21 niveaux. Mais regardez-le, il est beaucoup trop fort. Regardez ce serveur. Triple Axel, triple salto, triple dégâts, triple cheese. Le troisième, c'est triple quelque chose, mais c'est que sur Pornhub qu'on le voit. Débloqué. Oh là là, une deuxième Vavarine a eu le White Wizard et serveur a eu le Shield Hero. Oh, j'ai une nouvelle skin. Yes, le Blade Demon. Ah si, je le vois là. Ah mais si, bah attendez. Si je. Ah mais ça c'est le Blade Demon ça. Ah ben, ça se voit. Les 3 pixels verts là, bien sûr que c'est un Blade Demon. Allez, je l'équipe pour la forme. Ok. Je dois dire que vous êtes très fort. Vous êtes très fort. D'accord, je valide. Je valide, vous êtes exceptionnellement fort au donjon. Premier arrivé, premier servi, point d'exclamation Kukoro, et vous participerez à ce nouveau donjon. Et après, on ira peut-être tester un autre jeu, quand même, un petit peu. J'essaierai de vous tataner là. On fait un jardin. Ouais, je vous tatane au jardin juste après celui-là. Et après, on part sur Goose Goose Duck, je pense. Le mec, il ne démord pas. Bon. Je veux savoir. Voilà, 16. Je vous laisse ma place pour l'instant, au cas où on soit pile. Il y a peut-être du monde en plus qui veut participer. Des gens qui ont été convaincus. Regardez le serveur comme il est beau avec son bouclier. Oh merde. Ah non, le baron a gagné, je suis désolé. Ah bah si. Il va nous libérer et délivrer, là, c'est sûr. Bah c'est sûr. Oh, Poms. Non, Poms, comment tu fais pour avoir toutes les meilleures skins de l'histoire? Je la veux, celle-là, la faucheuse. Donne ta skin. Donne ta skin, je t'abonne à la chaîne. C'est pas possible, je sais. Libérer, délivrer, tout à fait. Je défonce encore les zombies. Ça, c'est beau. Je me tape toutes les araignées. Il y a Spider-Man, Spider-Gwen... Venom? Non, ça compte pas. 12 sur 16. Donne ta peau, Poms. Vas-y, file-la! Le roi Quet est de retour. Moi, je troll. T'es toujours là, le roi Quet, c'est le meilleur. C'est la vraie Quet de Noob, je vous le dis. En fait, c'était pas moi, c'est lui. Il me faut un max d'esquive. Ok. Esquive, ok. Moi, c'est troll, ok, troll. Laissez-moi! Ok, décédé, calmez-vous. Moi, je suis sur les slimes. Il y a pas mal de hentai comme ça aussi. Fight, ok, c'est parti. On a du Golgotha dans le chat. Bon. Il reste 4 places. Je vous en pique une. Allez. Galinfo. C'est quoi ce truc? C'est censé être quoi, le Blade Demon? C'est Illidan, mais mort? C'est Darth Maul, mais mort? Je sais pas. Alors, moi je suis fort avec quoi? Les dégâts infligés impairent un ennemi troll. Le coup critique contre des ennemis troll augmentera les chances d'esquive. Ok. Je te donne pas de soucis, Taibaka, repose-toi bien et à bientôt. Donc on aura presque pas de slime. Mais c'est parti, c'est parfait. Une moitié de Darth Maul, ouais. Une demi-molle, on va l'appeler. C'est ça. Bon, on est bon? Allez, bonne exclamation Kukoro. Merde, Jerry. L'ordre est infini. J'avais un truc sale, l'ordre dominera au litre. À moi! Ok, toi tu aimes les araignées, c'est vrai, tu me l'as dit, en plus tu me l'as dit. Premier arrivé, premier servi, on fait ça. On fait premier arrivé, premier servi. Jump, je lance l'attaque. La tech. Je lance la tech tonique. Voilà, c'est le mot. Je lance la tech et il advienne que pourra, bordel. Ça va, première fois qu'on bat une araignée, c'est Kitty. Elle écrase les insectes. De toute façon, personne ne connaît le cri, exactement. Du mucus, ce n'est pas de la bave, c'est du mucus. Référence à Disney, faites-vous plaisir.
Je prends les haters. Ça, c'est beau, Brian. Tu seras désormais mon protecteur. Eh oui. Alors, qui veut... C'était qui le premier jump? J'avais dit. J'aime pas les araignées, mais personne ne les aime. Surtout Manu. C'est Neve le premier jump. Neve, dis-nous tous. Dis-nous tous, oui. Voilà, tu mets nous tous et t'as gagné. L'ennemi slime dégâts sur vous et 4 fois de slime votre santé. De... Ok, bah let's go. Premier arrivé, premier servi, je vous fais confiance, hein, les yeux fermés. Ça va. Une petite esquive pour le. Pour le... Allez, une petite esquive, t'as. Ça va pour le plaisir, t'as. Vous allez dire que je suis médisant, mais je vois même pas pour. Enfin, c'est là où on voit Neve, je suis désolé. S'il y a des fils qui se touchent. Il a un arc et il met des coups au cac comme ça. Et il, après, c'est un radin, il garde la flèche, d'accord? Mais c'est ridicule. C'est pas comme ça qu'on se bat avec un arc. Si quelqu'un heal, je veux bien. Get info. Oh, on a Lapyros qui a jump direct. Lapyros qui a jump direct. De toute façon, cette ville. Ah, on a JB aussi qui jump. Trop de mucus. Ouais, non, c'est pareil. C'est, moi, ça me dégoûte un peu. Mais Lapyros, tu. Ok. Jump direct. Moi je fais confiance, les yeux fermés. En plus de toute façon cette ville est trop petite pour deux petites filles à couette. Si tu meurs, ben voilà. Mon premier fight, un des plus beaux. Regardez ça. Le mucus attaque. Puis Lapyros attaque. Quel coup d'épée, c'est somptueux. On dirait que Lapyros lit parfaitement les mouvements de son adversaire et c'est le coup d'estoc final, c'est magnifique. It's the final coup d'estoc. On sera chez moi avec les champignons. Le jour où le champion te met un coup d'épée, par contre, tu nous appelles, on vient de défendre. C'est le nez de qui, ce donjon? Celui de Vévarine. Le nez Vévarine. Je sais pas. Je sais pas. Qui c'est le premier jump? C'est le baron! Libéré! Bip bip boop! C'est la version Star Wars d'un côté. Ah, on a quand même JB qui veut se battre. Hein. Ah, avec le mucus? Non, c'est la grenouille. Voilà. Coup de glace! Apparemment, le baron va faire sonner le glace de ce troll. J'essaye, je fais des jeux de mots. C'est beaucoup trop simple. En plus, c'est même pas des coups de glace, il a un cimetière en fait. C'est un Prince of Glacia. Ah, les araignées. C'est Kitty. Tu vas jeter un froid, j'avoue. Kitty jump, j'en étais sûr. Tu connaissais le coup de boue? Non, ça c'est un Pokémon. Oh, Kitty elle a récupéré un œuf. Pas du tout. C'est pas Kitty, elle a pas voulu attraper l'œuf, d'accord. Qui c'est qui veut attaquer le zombie? Qui c'est que... Mon zombie! Oh putain, nom de Dieu. Il l'a soufflé, ça m'a... Ah ouais. Ok. Qui c'est qui va récupérer le œuf? Ah oui. Ah oui. Dégâts x5, oui d'accord, je comprends. Pas de neuf. Mais qui c'est qui... Attends, c'est moi qui récupère le neuf. Qui c'est qui récupère le neuf? Pourquoi je peux prendre le neuf? Attends. JB, tu récupères le neuf? L'autre, tu récupères le neuf? Personne veut le neuf. Bon, qui c'est qui veut jump? Le baron, il a jump encore. Ah ouais, tu jump comme ça sur le grand troll? T'as tout mon respect. Oh, il a eu le neuf! C'est aléatoire quand tu vas te battre, il me semble. Et il a relâché le neuf. Je pensais pas que ça le faisait partir. Qui c'est le premier jump? C'est Brian. Non, il est où Brian? Il est mort Brian. Ah non, c'est Brian, il était caché ici, Brian. Brian Thomas. Il a piqué le neuf. Il a gardé le neuf. Exceptionnel, bravo pour cette capture de neuf. Pourquoi il a mis quoi, Zacharia? Pas très gentil de mettre un quoi. Araignée? Kitty, peut-être? Ah, serveur! Merci, mais non, mais bravo, bravo, bravo à toi, c'est exceptionnel! J'en ai vu des gens se battre contre des trolls, mais là. Oh, il a mis un coup de bouclier dans la jugulaire! Oh, c'était horrible! C'était scandaleux! Qui veut un zombie? Ah, Zacharia, ça c'est beau, ça, non? Non? J'ai jamais mis quoi? Ouais, mais sur ta tête, ça a beau... Il y a eu un quoi?
Ça l'a fait 2-3 fois cette fois-ci, ce soir. Je sais pas si c'est nouveau, mais... Attends, j'attends. Zakaria, il veut jump, regarde. Changement de capacité. Ah, nouvelle règle. Ses capacités ont changé. Ah. Le coup du roi couette, c'est... J'avoue, j'y avais pas pensé. Esquive contre n'importe quel ennemi pour bien mais 0 pour bien aimer, je suis allé. Ok. Donc est-ce que tu es sûr de vouloir te battre? Si tu re-jump, moi je te laisse. On a tous changé de capacité, vous êtes sûr? Non mais let's go. C'est tout à ton honneur. Apparemment l'honneur ne paie pas. L'honneur. Et regardez, Ryan il a eu un œuf. Bonne nuit. Qui c'est qui a fait le jumps? C'est Julie qui fait le jumps. Moi j'ai quoi là? Moi j'ai rien de fou en fait. Hein. Comment elle l'a éclaté? Je suis sûr que là les ennemis ils ont pris des points de santé mentale tellement ils ont flippé. Horrible. Alors moi. Pour eux, ça donnait quoi? Est-ce qu'il va avoir des dégâts impairs, coup critique contre les. Ok, moi je fais. Ben moi contre les trolls. Allez! En l'air! Ça, moi, si je meurs, c'est pas grave. Je suis bas niveau, moi. Ah, j'ai t'atteint le visage, en fait. Nom de Zeus. Est-ce que je me laisse mourir face au troll? Non, on va pas faire ça. Qui n'en veut? Premier jump. Je regarde pas le chat. Le premier perso qui saute. Ah, c'est Kitty. C'est... Non? Ah ben non, j'aurais cru. Joli coup, patron, merci, je sais. Ah, Brian, c'est Brian le premier, là. J'ai tout donné avec mon... démon de l'âme de feu de... Premier arrivé, premier servi. Brian, explique-lui la vie. Non, là, c'est là où tu lui coupes un bras. Ok, Mini-Poon. Mini-Poon, j'ai toujours su que c'était toi. Oh là là, le cri de Mini-Poon. Sorry, mais c'est pas grave, c'est pas toi. C'est... J'aurais dû me sacrifier pour toi, Brian. Il en veut. Bah oui, des araignées. Tu auras été chanceuse en araignée, là. 4 araignées. Ok. Ah oui, mais t'as changé de capacité. Tu faisais plus les araignées, toi. 3 matchs, 3 MVP, tu joues à quoi, en 1v1 ou en 2v2? Qui qui veut Ok, mais c'est... Non, mais c'est... Vous l'avez vu? Il a piétiné le cadavre de Kitty. Occasionnel 3v3, ouais, fais du 2v2, ouais, 3v3, si, oui, c'est pas mal pour débuter. J'aime pas, au-dessus de 2v2, je trouve que le jeu est trop... C'est canine sur le fil, c'est ça. Aïe aïe. Moi je suis un geek, tu vois, je suis plutôt là, je suis plutôt pour surfer sur la toile, mais... Alors? Alors Julie? Mon zombie? Ton alpha zombie? J'avoue que c'est moche d'avoir piétiné, j'avais raison, encore presque pas de slime, j'avoue. Ou Dario. Dario, il va nous sortir la sulfateuse, s'il va y avoir de la cervelle partout. Il est où le zombie? Un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu là. Dario, mesdames et messieurs. Mais, non mais pourquoi ça fait un bruit de piste? C'est, il est venu avec une baïonnette, en fait. Ok. Bon, Julie. Julie, ready comme jamais. Poms, il est juste venu récolter les âmes. Il était pas là pour se battre. Si te fous un crit, tu fuis. Ok, ok. Vas-y, esquive, Julie. Vas-y, esquive. Oui, voilà. Esquive Julie. Ouh, Julie. Sacrifice, c'était beau. D'ailleurs, tu as une jambe sur la tête. Oups, mauvaise saga. Ah, JB, défonce-moi. Défonce-moi.
Ce zombie, s'il vous plaît. Oui. Parfait. Ça lui a fait baisser les niveaux. Il fallait que tu es mort. C'est triste. Non, je voulais mourir, d'accord. Ça, c'est beau. Ça, c'est... De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Avec une skin comme ça, on peut être que le héros de la soirée. Let's go! Exactement! Deux morts pour serveur, un pour Poms, un pour Lapiros, un pour Minipool, un pour Neverin, un pour Dario. Et zéro... Enfin, non, un pour Lo et un... Zéro pour Dario, mais Dario qui se hisse quand même dans ce classement. Du haut de ses... j'ai tué personne. Alors? Qui dit mieux? Les mecs, c'est... Prochaine game, je survie. D'abord, on va voir si vous survivez, si vous arrivez à me tuer. C'est un moment qu'on devait faire ce petit coup de jardin. Alors là, c'est très simple. Putain, qu'est-ce qu'il y a LED, ma skin, mon dieu. Moi, je vais me déplacer, comme ça, tranquillou. Vous allez popper, comme ça, tranquillou. Point d'exclamation, Kukuro. Et vous allez refaire, ben, un peu comme... pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme les mêmes touches. C'est les mêmes touches que pour se déplacer dans le temple, vous savez, vous essayez de sortir. Sauf que là, votre but, ça va être de couper de plus en plus le niveau pour me piéger dans une zone de, je crois que c'est 4, 4 et pas plus. Seulement moi, je vais pouvoir vous mettre des petites tatanes. Je vais pouvoir vous mettre des petites tatanes pour vous empêcher. Et vous avez 30 vies cumulées entre vous. Hein, donc à chaque fois qu'il y en a un qui meurt et qui refait Kukuro pour respawn, il fait perdre une vie à l'équipe. Mais voilà. Si je tue ton maître, tu viens avec moi après. Ah, c'est ça. Rassure-toi. J'ai retrouvé mon Trunks. Ah, ça c'est beau. Pas de soucis, bonne soirée, merci d'être passé, j'espère que tu as passé un bon moment parmi nous, et à très bientôt. Moi je stream en général de 10h à 17h tous les jours, de 21h à minuit, donc si tu veux, voilà, le matin c'est plus du Magic, c'est plus du TFT, des roguelikes, l'après-midi c'est plus des jeux à un joueur, ou des jeux un petit peu plus compétitifs, genre League of Legends, Valorant, Paladin en ce moment, parce que pourquoi pas. Et le soir c'est plus du multi, et souvent, voilà, et maintenant du Kukuro de temps en temps, pour le plaisir. Des multi, à savoir voilà, plus du Among Us, du Gartic Pond, du Goose Goose Duck, des soirées échangistes, tout pour plaire à tout le monde. À la prochaine, Poms. Vous êtes prêts? Bonne installation Kukuro. Une fois, deux fois. Oh, ou alors je pourrais me créer mon perso, comme ça je me tue. Ouais, mais bon, je bosse toute la journée, mais bientôt les vacances. Eh ben, courage en tout cas pour le taf, et profite bien de tes vacances. Je sais pas si tu as des projets, mais en tout cas, tu es bienvenu parmi nous. Voilà. Vous êtes prêts? Repose-toi bien, et bon courage. Pas de plus de points d'exclamation Kukuro. On est parti. Donc voilà, vous pouvez vous déplacer. Moi, j'essaie de vous taper le visage. Oh, ça va trop vite, ça va trop vite. Arrêtez de vous déplacer. Arrêtez de vous déplacer. Neve, tu meurs. 6 bonnes XP pour moi. Mais ça se déplace trop vite. Nilipoun, fais pas ça. Dari, fais pas ça. Dari, oh. Eh oh, Dari. JB, mais la pyrose, mais tu es beaucoup trop fou. JB, arrête. Vous allez me tuer. Qu'est-ce que vous avez dessiné? Vous avez presque dessiné un trèfle à 4 feuilles chelou. M'étonne pas de vous. Julie. Oh, Julie, elle nous fait la petite technique du 1 par 1. Je vais lui taper le visage aussi. Tiens. Ça va vite par contre, la Lévi. Donc si vous faites pas gaffe. Julie, je te déteste. Le baron. Serveur. Pef. Dario, qui tente une percée. Dario qui tente une percée, mais qui se fait faucher par le maître des enfers. Démoniaque. Tête de pixel chelou. Le baron. Et Lévi. Oh, le Neve, là, ça méritait. Je veux la VAR. Je veux la Neve VAR in. Oh, Julie, elle va bouger parce qu'elle sait qu'elle va bouger. Ouais. Oh, je le savais. Oh, j'ai lu Claire dans son jeu. Alors qu'elle s'appelle Julie. Minipoon. Ok. Là, c'est Dario qui va bouger. Dario, il sait qu'il doit bouger. Ok, peut-être pas. Ah, attention, bonne Zakaria. Oh, deux vies d'un coup parce que vous êtes restés comme des vilains, là. T'as zéro pitié, c'est compliqué quand on est là. Ok, ben je suis plus dans la démarche. Genre, oh là là, vous ne passerez pas. Ouais, ben faut pas déconner quand même. Il est venu se coller à moi. Franc contre franc, on leur dit deux footballeurs. Je me suis trompé de lettre. Hein. Ouais, ouais.
Reviens. Ok. Ok. Oh Kitty, si tu savais. Tu vas pas aller si plutôt haut. Ouais. Julie, j'en étais sûr. Putain, il me reste que ça. Ça s'amenuise rapidement. Hein. Ça s'amenuise rapidement. Regardez-moi ces méchants là. Ils vont vite. Non. Ok. Non. Le JB. Oh mais non, mais regardez, mais regardez, mais regardez cette. Regardez cette attaque à. Cette triple attaque là qui me font là. Eh oh. Je suis le mal. Neve revient. Neve re. Alors ça, c'était plaisant ça. Julie, ça fait deux fois qu'elle vient se. Il n'y a pas Sine à la maison, Julie, elle vient se coller à moi. Prochain TGS, hein, on verra. Happy. Là, oh putain, je voulais le taper juste après. Le baron. Le baron James. Oh, 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 non, non, non. Bon, vous êtes mignons, les deux, je vous laisse. Pas plus haut, pas plus loin. Là, tu vas trop loin. Ça reste genre, d'accord. Eh oh. Ouais. Là, par contre, plus de pitié, là. Là, vous faites du un par un, je commence à vous connaître. Mini... Neve. Là, c'est le moment où le baron, il bouge. Non. Ah si. C'était le moment où le baron, il bougeait. Non, non. Non, faites pas ça. Julie, fais pas ça. JB, fais pas ça. JB, fais... Oh, qui c'est qui a eu... Dario a eu le jardinier. JB, il a voulu... Non, il a voulu faire comme Neve. Ça va être compliqué pour moi, là. Ça va être compliqué pour moi, là. Kitty, Kitty, s'il te plaît. Kitty, c'est mon champ, c'est mon jardin. Kitty. Un pain. Neve. Oh, le Neve. Et le... Ah, bien, mini-poon, j'ai pas... Ah, Neve, il a eu le jardinier aussi. Julie, Julie. Le baron. Le baron, il est venu me narguer. Il a fait coucou, je suis reparti. Ok. Là, la mort est définitive, mes petits bonnets. Mais oui, la mort est définitive. La mort est définitive, j'ai dit. Par contre, là, je suis vraiment dans la sauce. J'ai pas le temps de le tuer. Par contre, si ça bouge... Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que je fasse gaffe. C'est le moment où mon serveur, il bouge. Non, je vais... Oh, le digo. Julie. Oh, bah, Kitty, 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 Kitty. Oh, attendez. Toi là-haut là, Brian, si je te tue, je te vole ton animal de compagnie. Non. Ok. Que 4. Je n'ai pas peur. Ah, pas peur. D'arriver vers le haut. Non. Serveur à l'eau. Ah si. Ah si. Oh, mais, oh, oh, oh. Ok, plus que 4. Plus que 4. Non, JB, fais pas ça. Non. Oh. Mon dieu. Je sais pas combien de cases il me reste. Mais ça va être bordel là. Attention. Vous ne vous synchronisez pas. Arrêtez. Cassez-vous le mangeur. Vous avez foutu du miasme dans tout mon jardin, mine de rien. Vous devriez avoir honte. Hein. Ah, tiens. Les sorties sont en train de me pourrir le jardin, là-haut, regardez. Regardez, comme... regardez ça. C'est là, c'est purement méchant. C'est juste pour venir me combler les trous. C'est chelou. Mini-Poon, viens vers moi. Viens vers moi. Je suis le diable. Ne fais pas confiance à ma skin chelou, je suis ton maître. Putain, Dario, il va tellement vite. Ouais, Dario. Dario. Oh, Brian, il est mort dans son coin. Il voulait pas que je lui pique ça, hein, son petit chat. Son petit chat, la peine, est boli chelou. Non, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Oh putain, plus qu'une case. Plus qu'une case, les amis. Plus qu'une case, non. Allons brasser dans un coin comme ça. 55 plantes, Dario. Belle mentalité. Il y a un beau jardin tout vert. Là, vraiment, c'est vraiment le typique de l'humain de base, quoi. Vraiment pourrir la forêt, quoi. Pourrir les belles verdures. Bien joué. Bien joué, bien joué. On a Mini Poon qui est resté en vie aussi avec 18 plantes. On a Neve avec 30. On a Gilles avec 26. On a Serveur avec 21, Le Baron avec 18, La Biros avec 9, Kitty avec 8, Julie avec 4, Chrome Chrome avec Waza et Ryan avec une plainte. Bot Zakaria qui est une petite fille avec des couettes. Aïe aïe aïe.
Qu'est-ce que ça raconte? Oh, je suis bien. Oh, je ne bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Là, on est. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Quand tu récupères des plantes, tu vas plus vite. Ah, d'accord, monsieur est un professionnel. Si je farme les plantes, je peux devenir flash. Ok, c'est pour ça à la fin que tu m'as... Oui, je fais des bruitages de jeux vidéo si jamais. Vous pouvez me retrouver sur Paouf 3, sur Super NES. La douane, c'est trop... Ouais, mais la douane, c'est full RP, il n'y a pas vraiment de jeu, non? Est-ce qu'il y a des jeux qu'on n'a pas testé? On peut tester la douane, si vous voulez. C'est quoi? Contrôle le full qui traverse... Ah non, ça c'est compter les tout. Ça c'est rigolo aussi, si vous êtes... Hein? Déjà. La douane, c'est pas un vrai jeu. Oh, je viens de faire un 2v2, je suis tombé avec un gars qui mettait des aériens de fou. Ah ouais, là, une fois que tu commences à taper dans le vif du sujet, c'est hyper drôle, les viewers doivent convaincre le streamer de les laisser passer à la frontière, peu importe ce qu'indique leur passeport. C'est du full RP, en fait. Douane, c'est chiant. Ok, là, il y a déjà une fracture dans le chat, là. Le RP, c'est cool. On peut. Je suis pas certain. On peut tenter, voir. Le RP. Nous avons des grands noms du RP ici, donc vive le RP. C'est pay per please, du coup. Tendance du pays, l'argent a perdu sa valeur et maintenant on commerce avec des câlins. Problème du pays, les plantes prennent le contrôle logistique du pays. Ok. Ok. Architecte, magasin... Bordel de Dieu, je suis vieux! Magazine... Unirectosine... Ok, poisson rouge et couche pour adulte. Magazine suppositoire, peut-être. Poisson. What the fuck. Pourquoi devrais-je laisser passer? Prison ban. Tu peux cliquer dessus. Ah, voilà. Magazine contradictoire. Et pourquoi j'aurais te laissé passer? L'argent a perdu sa valeur. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Alors, attends. How to play. How to play. Parce que... Voilà. Improvise pour convaincre le streamer de te laisser entrer dans son pays en fonction des dernières nouvelles du journal national. Découvre ton rôle avec GetInfo. Prépare la présentation avant d'arriver au comptoir pour que la partie soit plus dynamique et divertissante pour tous. Ah, parce qu'il y a des méchants, du coup. Parce qu'on a toujours besoin de couches pour adultes. Dans quel type de... À quel moment on aurait besoin de couches pour adultes. Clique sur ta carte pour voir la carte en grand. Ouais. Ok, ok. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Mio30, comment on va? Alors? Vous avez pas l'air de vouloir le laisser rentrer, quand même. Oh, qu'il est mignon. Tran Luffy. Et je vais construire de beaux bâtiments. Ouais, mais dis-moi en plus sur les couches pour adultes. J'aime ça. Il y a quelque chose, là. Je suis en train de rentrer de ma soirée. Est-ce que ça s'est bien passé? Laisse la carte en grand pour pouvoir la lire pour les viewers. Ok, je la laisse comme ça. Tac. Vous en pensez quoi, les gens? Après, c'est un prêtre, quand même. Tu vois, je vais empiler des gens pour faire de beaux bâtiments. C'est le genre de soirée qui me déplaît pas. Est-ce que je laisse rentrer? Attention, il y a 50-50. Premier arrivé, premier servi. C'est un oui. C'est un oui. Bienvenue sur le pays. Fais des pyramides humaines. Mets-leur des couches pour adultes, quoi qu'il arrive. Ah, Dario, il revient du Hellfest. Pardon. Alcoolique, chaussures de danse, harpon à baleine et avion privé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est PewDiePie. Alors bon, on a besoin de câlins. J'espère que tu as l'alcool... que tu n'as pas l'alcool violent ou triste. Ah, attends, on ne veut pas d'alcoolique sur le territoire, je suis désolé. Tu sens la vodka d'ici. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à notre pays? Sauf qu'on a un problème de plantes en ce moment. Salut, je suis le mec de McDo. Putain. J'allais dire que c'était la vodka, mais il y a un mélange de tout, en fait. Si jamais, regardez, il est en train de parler, si j'allume un briquet, putain, ça fait des flammes. Vous imaginez le taux de... Là, on ne veut pas de toi. Dans ce... Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense? Parce qu'on a vraiment la totalité de nos citoyens. 4. Ils sont contre toi.
Moi, tu sais, je suis nouveau ici. Je suis obligé de prendre les conseils auprès des citoyens, auprès des anciens. Et là, ils ont parlé. Ils ont dit tu renifles un peu. On dirait genre un petit peu genre un calimucho mais raté, tu vois. Tu es en train de déménager un job. Il dit qu'il a un job GBL. Ça peut peut-être aider. Putain, juste en reniflant la laine, je crois que je suis à 3 grammes de. Du coup, tu te laisses. Je sais pas quoi faire. Plus je lui parle, mais moi aussi je sombre aussi. C'est mort ? Décuve, on en reparle. Je te repasserai de. Tu décuves, on en reparle. Et je te passerai. Je te laisserai passer. Bonjour, petite fille à couette. J'adore ta grosse voix. Petite fille à couette, elle est prêtre. D'accord, c'est une prêtre en Italie. C'est donc Camillo. Ok. Boîte avec des pierres, boules de hamster et objets de chasse. Je suis le roi couette, je viens ici pour agrandir ma religion. Laissez-moi passer pour recevoir ma bénédiction et avoir des couettes si vous le souhaitez. Ok. Donc vous êtes une petite... Je vais pas vous demander de soulever votre robe, mais vous êtes une petite fille ou un grand prêtre, je sais pas. Avec ces couettes, on n'arrive pas à savoir. Qu'est-ce que quoi ? J'ai 80 ans, vous avez la peau si douce. Ah, j'avais pas vu, mince, JB à 10 chats, j'ai pas vu, le pauvre. J'ai pas vu le journal, il est sur l'ordel trop petit. Bonne nuit, JB. Faites des bisous à JB. Vous avez pas fait des bisous à JB. Apparemment, cela est dû à ta bénédiction. Oh, ouf. Alors oui, alors voilà, vous en avez déjà 4 pour. Nous serons très heureux d'adhérer à votre culte. Pardon, c'est l'alcool du précédent. Une petite fille ou c'est un prêtre ? Oh, Julie, elle est torse nue. Tine, c'est pas ce que tu crois. Charpentier, c'est bon, le suprémaciste. Boîte avec des pierres et des bougies noires. Je parle aux plantes, d'accord. Et vos... Très joli poitrail. Pourquoi il y a des symboles suprémacistes ? Qu'est-ce que c'est ? Quick, quick ! Oh, désolé, c'est un téton. Je suis désolé. Dans les yeux, pardon. Pourquoi je devrais te laisser rentrer ? Désolé, je fais ça souvent. Non, l'empêcher. Passez, habillez-vous, allez voir la prêtresse. Minipoon, vous êtes donc un psychiatre, vous venez d'Océanie, d'accord. Cigarette électronique, statue gréco-romaine et appareil dentaire, ça me semble l'attirail parfait pour le psychiatre. Que me vaut... Bonjour monsieur le douanier, je suis un grand psychiatre, je viens psychanalyser la population pour qu'elle adopte le câlin. Mais c'est exceptionnel que vous racontiez cela parce que c'est devenu la monnaie du pays. Donc vous seriez peut-être presque la personne la plus riche alors que vous n'êtes pas encore rentré dans le territoire. C'est fou. C'est... Je pense qu'on est oublié. Je vais vous accompagner auprès du prêtre, prêtresse, petite fille de 80 ans chelou. Et vous pourrez peut-être... faire quelque chose de notre civilisation qui se barre de toute évidence en vrille, hein, voilà. Il y a une fille aussi, chelou, topless, si vous pouviez la convaincre de porter des vêtements. Vous pensez que vous pouvez faire ça? Elle parle aux plantes, donc ça reste quand même... C'est pas mal. Mais est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'elle... Je suis au courant, je viens récupérer le pognon. Ah, oui, d'accord. Bon, ben bienvenue, alors. Comme d'habitude, hein. 30-70, je prendrai ma part plus tard. Voilà. Ok. Bonjour Kitty de Shinigami. Vous venez d'Asie, vous êtes mat. Ouh, mat, vous partez pas gagnant avec les maths. Avec un baril radioactif, un microscope et un violon électrique. Lindsay Sterling peut-être. Serveur a obtenu un œuf. C'est bien ça. Ah! Le pays est proclamé comme le plus élitiste pour se débarrasser des gens médiocres. Attention. Je viens apprendre les mathématiques aux jeunes gens de votre pays. Est-ce que vous pouvez faire des shows avec... Est-ce que vous pouvez faire des shows avec le violon électrique?
Il fait chaud aussi, c'est vrai qu'à ce moment il fait... Mettez un t-shirt. Mettez un t-shirt, je vous regarde dans les yeux, bien entendu. Mettez un t-shirt. Puis s'il fait chaud, c'est pas normal que ça pointe. Bon bref, vous lisiez, les maths. Oui justement, je mate et dessin. Je mate et dessin. Bref, vous êtes prof. Bonjour. Est-ce que vous pouvez faire des shows, genre violon électrique? Est-ce que vous connaissez Lindsey Stirling? La musique est une science pouvant être adaptée en mathématiques. Vous avez réussi à rendre chiant les maths et la musique, là, vous le savez, hein. Bon. Peut-être quelque chose de prévu avec ce baril radioactif? Je peux vous faire passer à tabac par mon garde du corps à tout moment. On ne veut pas de maths ici. Vous voulez pas vous réorienter? On a déjà deux noms. Attention. Au troisième nom. Est-ce que vous êtes genre la meilleure prof de maths de l'univers? Je dis ça parce que mon patron m'a dit de dégager les gens un petit peu trop médiocres. Ah, 2-2. Totalement! Fallait le dire plus tôt! Il fallait le dire plus tôt! Bienvenue sur le territoire! Sécurité, vous la mettez en cellule directe. Oui, merci. Bonjour. Tu seras le roi des pirates. Est-ce que tu as un objectif dans la vie? Non, pardon. Est-ce que tu as un objectif dans la vie? Je suis désolé, j'avais pas vu votre appareil auditif. Je suis vraiment désolé. Mais c'est des faux cheveux. Ok. Donc vous êtes le fille égyptien, du coup. C'est... Oui, être le... Ok. Ok. Eh bien, bon séjour... Passez voir le prêtre quand même, il va peut-être vous... Il a des sorts apparemment pour faire rajeunir. Très étrange ce village. Mais ne criez pas, vous êtes accepté, vous êtes accepté. Pourquoi je... Sanctuaire d'Azra, 1942, fabricant de baguettes magiques. Monsieur Ollivander, je viens pour prendre mes baguettes et apprendre la magie. J'ai toujours rêvé de... Vous connaissez Harry Potter personnellement? Vous avez même des charges, un chargeur de téléphone. Comment dire non? Comment dire non? Ah mais non, mais là c'est accepté de suite. Il est à Londres, d'accord, d'accord. Mais si jamais vous avez son numéro, je... Un petit autographe, peut-être Hermione, non? Ou Ron, il est sexy Ron quand même en robe, non? Alors, vous allez pas le croire, je viens d'accepter Ollivander dans le village. Un geek, on n'aime pas trop ça nous les gamers. Est-ce que vous êtes du genre à pas avoir de vie, sentir mauvais? J'adore votre uniforme totalitaire de McDonald's par contre. Rat de laboratoire. Bonjour, après vous avez renvoie-moi dans... J'ai dû rester SDF et tout, c'est horrible. Mais vous, mais... J'ai regardé des séries bizarres sur mon PC du gamer que j'ai payé avec le... Fan de la... Ok. Et c'était quelle série? How to Sell Drugs Online? Il a arrêté l'alcool. Il a arrêté l'alcool. Il y a une autre odeur de fougère là, comme ça. En vrai, c'est cool. Vous voulez pas le faire rentrer? Ça gueule dans le village, hein. Revenez avec votre ordinateur. Laisse. Bon. Je crois que je vais le laisser rentrer. je suis désolé, on a un prêtre petite fille de 80 ans. Ça va pas. Revenez plus tard. Revenez plus tard. Bravo. Regardez-moi ce peintre. Non, je dis pas ça contre vous, c'est votre métier, bien entendu. Un prêtre, vous êtes un peintre français. Mais nous adorons la France ici, oui. Le baguette. Ah, le baron est... Mais revenez! Oh non, il se barre, le baron, d'accord. Il veut pas rentrer dans le pays, puisqu'il n'y a pas de weed, apparemment. Nourriture étrangère, cape d'invisibilité et carte de poker. Je viens peindre l'amour dans ce beau pays, l'amour à la française. Let's do it again! Est-ce que vous avez la référence? Oh putain, nom de Dieu. Ne bougez pas. Il y a un ent qui essaie de rentrer dans le village. Do you know l'amour à la française? L'amour avec de gros câlins. Alors, vous parlez de beaucoup de Pico, ça, je me rappelle. Est-ce que... Non, vous connaissez... Vous avez pas la référence? L'amour à la française? Salut tout le monde, je m'appelle Olaf, et j'adore les câlins. Non? Oh, il a pas la référence. J'y pique sa cape d'invincibilité, j'y mets un coup de pied au cul.
C'est à moi. Ah, excusez-moi. Les températures nocturnes descendent à moins 85 degrés. Et il n'y a plus besoin de faire des câlins en plus. Donc c'est monsieur, vous arrêtez avec vos câlins. Hello, sexy boy. I am interpret. My role is to study my language in the country with my body. Oh. D'accord. You, me, une couverture de tigre. En plus, en ce moment, il fait moins 85 degrés la nuit. On pourrait... Vous ressemblez étrangement au prêtre que j'ai laissé rentrer dans le village. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Oh, let's go. Yeah, you know. Wait for moi dans ta chambre. Avec la peinture. Avec le tigre. Thank you. Oh, j'adore. Au nom de Dieu. Cravate, vêtements, un pot de caméléon. Vous êtes très très riche en fait. Bonjour. Oh putain. Contrairement à ce que dit ma carte d'identité, je ne bois plus car je me suis reconverti. Je suis dorénavant un ange de la mort. Je flingue tous les médiocres car je suis prix Nobel de science et je ne supporte pas la nullité. Ben vous savez quoi, nous sommes un pays très élitiste. N'en dites pas plus. Prenez cette baguette magique et cette tenue de policier. Voilà, comme ça. Et vous avez carte blanche. Si vous voyez quelqu'un de médiocre, vous pouvez l'assassiner. Ça me fait plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir. Y a une fille topless. Elle est très médiocre. Il y a une prof de maths aussi. Allez, hop. Alors, vous allez pas me croire, mais il y a un gars qui me ressemble, qui vient de passer. Je le poursuis, c'est mon patient. Il se prend pour un pirate et copie mon style. Ah, d'accord. Mais ça m'étonne pas. Ben, je vois que vous avez amené votre harpon à baleine, donc... ok. N'hésitez pas, il est parti par là. Par contre, il va être le plus grand de tous les pirates. Il a une perruque. Donc peut-être qu'il a changé de... N'en dites pas plus, j'adore la mort. Faites-lui du mal. Joli, joli. Ah, deux secondes. J'ai un appel, apparemment j'ai laissé passer les mauvaises personnes. Alors, vous n'allez pas le croire, le premier c'était le patient, le second c'était un patient aussi, dites donc. J'aurais jamais dû le faire passer. Kitty, parieur européenne, je suis excellent parieur, un excellent parieur, la preuve, je parie toujours sur. Car c'est le meilleur streamer du monde, mais je suis un fan moi aussi. Vous avez un balai volant, mais sans batterie. Ben, on a Ollivander dans le village, il peut à tout moment vous réparer le balai. Vous m'avez conquis. Si jamais on va faire une soirée avec peau de tigre avec un interprète, n'hésitez pas, je sens que vous êtes quelqu'un de très torride. Vous avez bon goût. Vous êtes jardinier. Bref, herbicide, console vidéo et bougie. Bonjour. Hey man, comment ça va? Faut préserver la planète et manger que de la viande pour les plantes. Ça, honnêtement, ça me va. Honnêtement, ça, je suis d'accord avec vous, je suis là pour préserver. C'est la première fois que je parle à... Vous êtes très beau. Vous venez de Forêt Verte et vous êtes jardinier. C'est un ant, il est accès. Vous êtes un ant, du coup. Ok. Ça me. Vous serez le premier arbre. Est-ce que vous avez pas peur de souffrir de xénophobie? Voilà, de vous. Vous êtes validé par le village. Par pur hasard, d'accord. D'accord, j'aurais cru que... On a pas mal de magiciens dans notre village, donc je... C'est bon, quoi, mais je vous fais confiance. Putain, l'autre, il m'a soufflé son truc tout à l'heure. Je crois que je vois des arbres qui parlent. Bref. Monsieur le prêtre astrophysicien vaccine... qui fait des vaccins qui chassent. Hola, señor. Y vienes apporter la chance de chien dans votre pays. Alors, parler avec un double sens est un facteur indispensable pour être accepté par la société. D'accord. Dites-moi en plus. Quand tu dis que venir dans les pays pour la science, c'est-à-dire la science, la science, où tu es le médecin. La médication? Parle pas la langue, je crois. A ti te gusta la América del Sur?
La chienne pour aller dans les étoiles. Ah, d'accord. Je vous laisse, grande journée demain, même en congé, je sais pas si dire si, je sais pas... Ben, si, demain tu passes, demain faut qu'on fasse du Pokémon Go, du Pokémon Unite, Luffy, s'il te plaît. Et du Paladin, et plein de jeux multi. Bon, je sais pas, je... Yeah, vous voudrais pas être accusado de racisme, racisme, non. Bienvenido. Quitate el culo. Je me présente, je suis Mia Khalifa et je possède plusieurs métiers, ça m'étonne pas. Comme prêtre, aujourd'hui je viens en tant que peintre pour monter une société de peinture pour engager des gens qui veulent peindre mon corps en blanc. Mais je connais. J'adore ce que vous faites. Je fais justement une soirée avec... Venez chez moi plus tard. J'adore le... C'est validé, c'est validé. Non, laissez passer. Ma maison, elle est là-bas. Déconne pas. J'ai de la peinture pour toute la soirée. Ma nièce passe avant. La famille first. Ah là, on est en 2022, il dit famille first. Bonjour Mélipone, vous êtes journaliste. Vous avez des œufs de dinosaures, des poupées effrayantes et des objets sexuels. N'en dites pas plus. Je me présente, Ange Lamor, journaliste international. J'enquête sur la baisse des températures et l'invasion de votre pays par les faux curés et les malfaisants. Mais ce petit coin-coin vibrant là, c'est pour lutter contre la baisse des températures ou de... Pardon, ma langue a fourché. Je peux vous en fourcher. J'ai la langue à fourcher. Bonjour. Vous savez quoi? Passez. Il y a Mia Khalifa là-bas. Il y a Mia Khalifa. Ne vous en faites pas. Passez. Passez-lui. Allez, il y a une connasse qui m'a peint un monochrome pendant que. Qui a fait ça? Il y a une peintre qui vient de rentrer. Je suis désolé, monsieur. La souris est avec vous? Est-ce que la souris est avec vous? Parce que c'est très important. On a un dératiseur juste derrière. Faudrait pas qu'il se passe quelque chose d'horrible. Merci beaucoup pour le follow. A behavior. Oui, ok. Prenez votre... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Escortez-le. Trouvez le peintre. Trouvez l'extermineur. Il a une baguette et il a tout ce qu'il faut. Coup de coude. Sortez-moi, je veux voir le cadavre nager, enfin flotter près du bateau là. Des gens qui peignent. Pêcheur en haute mer. Détecteur d'ectoplasme. Bonjour, je suis là pour rentrer, si tu vois ce que je veux dire. On m'a dit que One Piece est à la mode, je suis là pour réchauffer les cosplayers la nuit. Je vois ce que tu veux dire. J'ai juste un petit souci en fait, c'est-à-dire que t'as l'air d'être assez chaud. Mais il y a du Semtex qui dépasse de ton sac en fait. Alors le DT, bon, phasmophobia, j'ai adoré. Par contre, le C4, c'est pourquoi? On a déjà Behavior, il est prêt. Oh putain, tu sais quoi, t'es là pour des bombes. C'est normal que t'en aies une sur toi. J'adore les jeux de mots. Bonne journée. J'ai dit, je suis... Laisse passer des gens très louches en ce moment. Alors, je sais pas ce que vous allez me raconter, mais votre Evoli chien lapin est mignon. Je suis astronome, je viens donner des cours sur la Terre plate et envoyer en prison tous ces charlatans qui diffusent l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Est-ce que si vous rentrez, je pourrais caresser votre... tout ce qui est poilu, là, tout mignon. Je peux ? Et bien plus encore. J'ai déjà oublié ce que vous aviez dit. Vous êtes le bienvenu. La moitié de la population est recherchée et capturée par le gouvernement national. Si jamais vous faites capturer, je prendrai soin de votre bestiole chelou. Il fait très froid chez nous, mais the cold never bothered you anyway. Le froid est pour vous le prix de la liberté. Bonjour. N'oubliez pas les doubles sens. Oui. Rentrez bien. Bonsoir, je vous ai reconnu. Je vends de la glace, c'est de l'argent facile. Vu que je vais me faire à partir de rien. Oh. C'est exceptionnel. La vraie Elsa, elle aurait fait un jeu de mots. Mais, excusez-moi Elsa, est-ce que vous pouvez vous retourner? J'ai l'impression qu'il y a un avocat qui veut rentrer dans le pays. Je vois son noyau. Non, c'est pas un avocat? Ça va pas mieux, mais il faut que je change de métier. D'accord. Bonne nuit à ceux qui s'en vont, pardon, je rate des messages, je suis désolé, j'ai l'impression que Julie est partie aussi. On va continuer là, 5-10 minutes de plus. Oui, je vous le voyais.
Vendeur de glace, photographie cryptée, main de singe et harpon à baleine. D'accord. D'accord, bah. Nous aimons beaucoup les doubles sens ici. Est-ce que vous aimez les doubles sens? Est-ce que vous aimez la double? Le double, pardon. Vous avez déjà la bouche ouverte, pour moi ça veut dire oui. Dernier passage. Infirmière, poisson rouge. Je fais des prises de sang sans douleur, je suis aussi spécialiste en hypnose, j'assiste le psychiatre de temps à autre. Et ce... Du coup, cette tenue à un pot de caméléon, c'est plus, c'est pour vous fondre un petit peu dans le... D'accord. Ok, nous aimons tout ce qui est prise ici de toute façon. Ça vous va si on vous prend? Dans le village? Tout à fait. Parfait. Eh ben parfait. Ma maison c'est là-bas. Ça va être une soirée de ouf. On voit des avocats. Pas le métier, un avocat. Espèce de facho, il est dans ton pays de merde pour défoncer des gens comme toi. Si tu me laisses passer, je t'épargne. C'est un lutteur professionnel, mais il ressemble tellement à la petite fille à quoi? Il a des crânes d'animaux, un chien agressif, un poisson rouge. Oui, oui, bébé, rentrez, y a pas de soucis. Faites gaffe la nuit, il fait froid. Sécurité, oui. Vous chopez tout ce qui ressemble à une petite fille à couette, même si elle a 80 ans. Ouais. Vous y mettez un coup de brique. Faites gaffe, la dernière, c'est une... elle lutte. C'est une sportive. J'ai pris mes cachets tous, d'un coup. Tuez les petites filles. Merci. Bonjour, vous êtes une célébrité. Vous avez une couverture de tigre. C'est pour la soirée couverture de tigre? Silencieux, si, faut, il est même pas là. Sécurité. Je sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui existe ou pas. Bonne soirée, Lunas. C'est oui pour moi. Entrez, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un avocat, rien de spécial. Vous avez pas peur que votre souris vous grignote la nuit? Ah ben putain, c'est peut-être pour ça que vous avez fait rentrer... vous êtes venu avec votre propre lance-flamme? Non? Putain, un avocat mexicain, ça fait partie des meilleurs avocats. On est un pays plutôt élitiste, mais... Ça va pas bien en ce moment. Je sais pas si c'est depuis que ce SDF m'a soufflé dessus, il avait fumé des trucs. Chelou. Mais apparemment tout le village vous apprécie déjà. Donc, bonne journée, monsieur. Je vais rentrer un avocat. Vous êtes une petite fille? C'est pour mieux faire travailler votre souris? D'accord, ben parfait. Collier de perles, cravate, photographie crypte. C'est quoi toutes ces photos petites? Toutes ces petites photos. Vous êtes modèle. Vous êtes beaucoup trop. Des photographies cryptées de modèles de petites filles, non! Non! C'est fini! C'est fini, on range! En tout cas, là, je vous laisse chez Amara. Soyez gentils avec lui. On se retrouve rapidement. Portez-vous bien. Bonne nuit, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Moi, en tout cas, c'était le cas. J'étais pas parti gagnant, je savais pas quoi faire. Mais en tout cas, vous m'avez remonté le moral. Et ça, ça l'a fait de vous des gens très mignons. Bisous!